Si vous parlez dans la vie, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas mort. Mais chers amis, nous sommes capables de faire plusieurs. Il y a psaume 146, m'kwe. Psaume 146, m'kwe, verset 4. Vous étudiant, vous avez cherché le mot. Psaume 146, verset 4. Regardez pour nous qui ça le dit. Et puis, vous avez l'autre texte encore. Vous avez un texte habitué, surtout les moments funérailles. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Verset 4. Qui ça le dit? Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein. Ou compte pour qui raison? Je viens à Texas. Est-ce que nous pour qui raison? Je viens à Texas. C'est parce que dans la même leçon ce maintenant, ils ont montré une bonne bagaille. Les philosophes font apologie pour lui qui est comment? L'immortalité de l'âme. Faut faire extrêmement attention pour qui raison parce que mounyo dit l'homme est-il l'âme est-il m'bral dit non bagaille on piège n'habitue prend la donne l'homme moun mouri sous page nous qui ça nous toujours mettre rest in qui ça nous mettre rest in peace m'bral mettre rest in peace ça signifie que son âme repose en paix est-ce que moi petit piège comment dit Biagio? Ça veut dire son parent nous compte faire apologie pour l'immortalité de l'âme aussi. Est-ce que nous comprenons la logique là? C'est pour montrer mes chers amis. Quand il me dit avec mon monde, Satan tellement intelligent, les cap induire en erreur sont pas même rendre compte de ça. Et c'est ça fait moment là, Bibou et Gomba, il dit chaque fois qu'on tend un bagage ou de bon attitude de béréen. Parce que béréen, qui ça vous fait? Le fin de temps des paroles, là, il y a chita pour l'oué. Est-ce que ça le dit à le conforme à la parole? Combien de gens ne peuvent pas dire Saint-Pis? Nous tous continuons. Ou fait apologie à 100 pour autant, pas rendre compte de ça? Oui, sister. Pas bien, nous dans la deuxième partie de la leçon, on a parlé de définition de la mort. Bon petit rappel avant de bailler. Nous dit leçon, il y a combien de parties? Dans la première partie, il y a ce qui s'est développé. Mensonge avec doute. Pas ordre d'importance, bien entendu. Pas ordre d'importance. Mensonge avec doute. Deuxièmement, il parle de qui ça? De la mort et conséquence de la mort. Et puis nous, bon, l'autre bagaille, il me dit là-dedans, il a parlé nous aussi de l'immortalité de l'âme. Pour nous-mêmes, vous devez faire très attention. Et puis, et troisième partie, il y a ce qui s'est parlé. La solution au péché. Ok, nous allons toujours mettre ça en tête. Oui, sœur Ozone. Oui, oui. Bonjour. Les chrétiens, qui ça fait leur bon monde mourir, ils n'ont pas lamenté autrement. Bien que la mort, c'est mon bagage, nous ne pouvons jamais finir habitué avec. Qui ça fait leur bon pas lamenté autrement? C'est parce qu'ils ont gagné dans la troisième partie de son rôle. Ils ont une espérance. Espérance que même le monde qui mourit, mais qui ça fait pour faire? Gagnons. Oh, nous va aider, non? Nous avons espérance, mais nous avons aussi espérance que nous allons vivre pour le temps et l'éternité. On peut écouter que pape gagne ni la mort, ni souffrance, ni maladie, etc. C'est espérance ça qui fait que moi-même ensemble avec vous, nous dit que même le frère Cadestin mourit, à moi-même, c'est ça que je souhaitais. Eh bien que moi crois que espérance ça fait que nous allons vivre pour le temps et l'éternité avec Jésus. C'est notion d'espérance ça sous même bail là. C'est sous même bail ça qui fait que j'ai comme impression bien entendu parce que par probité je pas supposé moi entrer dans logique monde comme ça qui fait que mon yo parler de célébration de la vie parce que à travers cérémonie qui ça vous fait yo parler de la vie mon qui ça t'a vivre comment elle t'est vivre qui comportement que t'a gagne etc. C'est ça que parle yo parler de lui et voulez quoi à travers ça que a fait à démarche c'est pour capable faciliter aussi à monde qui a tendé pour dire ou même tout
mais quel type de vie vous êtes supposé vivre pour que vous capable hériter le salut éternel. C'est ça, me comprendre de célébration de la vie. Alors moi-même, tout ça, Louise Gueguer, en motion, c'est ça? Moi, je nous. Ok. Oui. Ok. Exactement. Ok. Ok, quelle est l'autre intervention après pour nous quand j'ai épuisé rapide parce que je ne vais pas pour ne pas. Oui, un bail en. Frère Yvon. Pas oublier nous dans la deuxième partie leçon. On a parlé de qui ça de? L'amour. Et oui. On a dit tout le monde bonjour. Oui. C'est que ça qui vient dans l'amour. Oui. L'amour, c'est conséquence péché. Oui. M'apprend dans Jean 13, non, dans Jean 12, oui. Jean 11. Oui. Excusez-moi, Jean 11, Jean 11, 35, Jésus pleura oui. Pendant la mort Lazare. C'est que dans la mort, je ne pas où côté que l'acculturation s'assoit, Sylvini a dit, il a célébré la vie. L'on a regardé dans Matthieu 27, oui. Il a dit que toutes mesdames Galilée qui ont suivi le cadavre Jésus, ils ont tout fait qui ça? Non, on ne va pas faire hypocrisie. Ils ont tout fait qui ça? Ils ont tout crié. Là encore, pas gagné célébration de la vie. Ok. On a tourné dans le son. Côté que bon Dieu, bon commentaire qui fait là, dans le jour, bon Dieu dit Adam, vous parlez tout, il y a un oui, pour capable faire sacrifice pour pardon péché là. Qui j'ai Adam, Adam, comment c'est danser, vous parlez tout, il y a un noir, il était triste. En aucun cas, pas qu'à gagner célébration pendant que m'a fait un funérail. Ok. Et je vais dire un petit bagage. En connaissance de cause. Pourquoi j'en mouais pendant une pompe funèbre, même là où c'est la musique classique que y a joué, et puis pour moun yo, y a pris. Soit moun a pris, il y a cette tapage entre moun n'a fait. Okay. Mais c'est levé, fait ses corps à terre. On n'a pas pris rien à culturer. Rentrer dans le mitan, nous avons dit que n'a célébré la vie. Oui, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 là. Oui. Dites-vous que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Mais, expression célèbre la vie, yodil ni pour Hitler, ni pour apôtre Pierre. Que l'Éternel vous bénisse. Ok. Nous pas tellement chita sous ça, parce que c'est pas on nomme lié dans l'Église. C'est juste, je ne veux dire à nous que Mounio, compréhension de la mort, espérance au fait que au deal, donc nous pas tellement chita sous lui. Dans le son aussi pour nous retourner dans la thèse première, nous, si n'a pas posé question, n'a pas oui, quand même, parce que je ne vais pas même pas dernièrement arriver moi. Non, l'un n'a pas de la mort, on bagaille aussi, pendant qu'on a étudié le son, nous avons développé là-dedans, dans l'ensemble, c'est Louise, nous, à travers la Bible, il y a parlé de différents types de morts, n'est pas vrai? Nous avons cité au moins, mort physique, mort spirituelle. La Bible même parle de mort à soi-même. C'est pas vrai? Et puis, il y a ça, mort éternelle selon Apocalypse. Pas vrai? Mort éternelle. Ça veut dire, c'est pour montrer nous que la mort, c'est la mort de conséquences. Hein, oui? Ça veut dire, la mort, et là tellement grave. La mort, c'est pour montrer nous tout dégâts capable de faire. La mort, d'après le son, il fait dégâts même sur la nature. Nous devons ça? Qui ça fait de ça? Dans le son, mercredi. Attendez ça, il dit, le jardin d'Éden n'était plus l'endroit magnifique et agréable qu'il était auparavant. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie,
une feuille desséchée, ce signe de dégénérescence. Ça veut dire, conséquence là, mon conséquence, péché sous la nature, il agit même sous la nature. Bête mouille. D'ailleurs, Adam avec Ève, tu as pas le vivre un sacrifice pour la première fois, c'est qui l'heure? Le roi le fait rate pour vous. Laisse ça, ouais, vous pouvez tuer bête là devant. Et pour la première fois, vous pouvez voir qui ça. Il a tué bête. Mes frères, c'est pour montrer nous que, sur d'application, le péché, tout quel que soit forme, ce n'est pas moi qui dois jouer avec. Parce que, ouais, on saute folle, on bachita sur des textes, parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Nous disons que, il y a plusieurs types de morts. Ça veut dire, l'homme péché, puis quoi contenter comme si c'est l'esprit seulement qui est affecté physiquement ou capable de mourir spirituellement ou capable de mourir et on a une forte chance pour pas hériter le salut éternel. Et c'est ça qui fait nous comprendre dans la leçon pour que sa hauteur là vienne avec la notion du péché pour nous montrer nous péché à non seulement mais côté le commencer là il dit l'origine du péché et puis montrer nous conséquences. Ouais nous sommes prendre des textes aussi point par point pour montrer nous origine ça qui t'est passé et conséquences que le capable gagne. En sorte que, mes chers amis, auteur la salle veut présenter nous là, dans la deuxième partie. Aidez à comprendre que la mort, ce n'est pas une simple chose. Ce n'est pas une simple chose. La mort sont éléments qui traînent derrière des conséquences. Et conséquences, et ça qui, à l'origine, c'est le péché. Et qui ça qui fait un péché, c'est parce que un ensemble de principes. Que bon Dieu m'a dit pour nous respecter, mais pas respecter. D'ailleurs, le péché, c'est la transgression de la loi. Et nous dit aussi, pour nous capables de terminer avec la deuxième partie, là, que pendant que nous n'avons pas de l'âme, aux conséquences, etc., il faut nous faire très attention parce que je dis, nous avons fait quoi que si nous mourons, nous allons vivre. Un grand chanteur qui dit ça, oui, c'est faire mes yeux ici, l'ouvrir là-bas. Toutes ces mensonges. Je ne vais pas faire mes yeux, l'ouvrir ici, l'ouvrir là-bas. Vous comprenez? Rest in peace. Non. Parce que là, c'est apologie, même avec philosophe Jean Rotter a dit, on va faire pour l'immortalité de l'âme. Ça que la Bible n'a pas présenté. Dans la troisième partie leçon, nous allons poser approfondie question. Dans la troisième partie leçon, nous voyons que c'est vrai qu'il y a la mort. C'est vrai qu'il y a des conséquences péché. C'est vrai qu'il y a tout le bagaille. Même des digons mou gain espoir. Gagne solution parce que bon Dieu yon nan baga li pral fè pral résoudre le problème du péché à la base ou quoi entendez ça me dire bon Dieu pral fè ki ça pral résoudre le problème du péché à la base bon mon texte qui fait me dit ça félicitations en lili qui ça le dit je mettrai inimitié entre toi et la femme, d'ailleurs, le premier texte prophétique de la Bible. Parce que à travers le texte, ça, il dit qu'on a passé, c'est vrai qu'il y a la mort. C'est vrai qu'il y a une conséquence. Mais on a passé, n'a pas remporté la victoire. Parce que ceci lui brisera le. Ça veut dire qui ça? On a remporté la victoire sur la mort. Amen. En sorte que mes frères, ce fameux plan. Que bon Dieu fait pour nous, c'est bon fable. Ce fameux plan que nous relève, le plan de la rédemption, c'est bon fable. C'est bon fable pour qui raison? C'est parce que nous joignons que monde là non état de souffrance depuis après que péché fait introduction dans lui. Jusqu'à journée aujourd'hui, à moi-même avant, n'a payé conséquence souffrance. Et virus là, lui entraîne dans nous. Moi-même avant, nous ne pas suspendre le péché. Jusqu'à un moment, on a parlé quelques secondes, nous faisons qui ça? Nous péchons. Et ça fait David, il déclare dans Psaume 51, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, il dit, j'aime pécher à nous. Mais nous avons besoin pour nous faire un bagage en tant qu'étudiants. Nous avons besoin de faire qui ça? Nous avons besoin comme cure pour nous capables de mener en vie de sanctification. Et c'est ça que l'esprit de prophétie dit, la sanctification, c'est pas l'œuvre d'un moment, mais c'est l'œuvre de toute une vie. En termes d'application, j'aime ça dire, ou même ça parler de
on moun ka fait adultère, li ka volé, li ka transgressé, li ka foncé de bagaille, l'a besoin pardon, c'est pas vrai? Mais hein, oui, depuis le péché, bon Dieu capable, depuis le repenti, pardon, on repentance sincère, l'a besoin pardon. Mais qui on a baï moi dit depuis mon enfant, pas gain aucune chance depuis pas banil nan li pa sauver. Qui ça dit? Orgueil. L'orgueil on met fait sauver. Depuis orgueil nan cœur pas gain. Qui ça texte a dit? Me dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'était ça la leçon, hein? Trois parties. Nous gain possibilité nous même en approfondi et comme direct ça fait si frère Blaise. Mon frère, nous avons deux interventions, pas trop longues. Attendez, on allait. Frère Blaise, vous mettez-moi. Alors, nous parlons rapide, Léa, vraiment. Et nous avons dit que leçon, tout autant que nous avons étudié, nous avons essayé de faire un raisonnement, mais des bons raisonnements qui n'est pas écrit, mais qui est valable. Ce que nous avons dans la présentation, c'est devant Ève. Là, puisque pas de quoi bien péché, nous péché pas de quoi en vigueur. Là, nous qu'a dit moi-même, les m'emprisonner me dit comment faire les pas de peur l'élite ouais parce que pas de quoi bien péché là, peur pas de quoi arriver. Et puis nous n'a dit bien deux erreurs nous-mêmes nous noter. Après l'autre qui t'a gagné, c'est que nous premièrement ça en lit pas de même nature avec elle, ça son premier bagage. Deuxièmement, lui pas de recevoir l'autre dans mes bon Dieu pour le pas de manger lui-même. C'est là tout les vins jouer dans tout mensonge, dans tout doute là. Parce que elle vive qu'elle mange, qu'elle n'y est pas arrivé. Ça, c'est le problème dans ça. Mais c'est elle qui te recevoir l'autre pour ne pas manger, même toucher. Et c'est ça qui vient mettre nous dans la situation parce que lui-même ne peut pas recevoir l'autre. C'est ça que nous avons dit. Qui lui fait ça, le plaît lui-même. Ok. Nous gagnons. Et puis, on a dit que nous avons dit micro dans mon. Oui. On sait plus drôle avant bal et frère nous intervenu hein. On sait plus drôle mes frères. Le bon Dieu fin créer l'homme dans 6e jour là. Qui ça le dit? Non seulement croissé, il dit qui ça? Dominer. Serpent oui. Il dit il a un pouvoir de domination sur lui mais qui ça domine? Au lieu de dominer serpent, c'est serpent qui domine. Oui. Oui. Alors c'est un partage, son découverte moi fait dans la leçon. Hein. OK. Et je souhaite partager là avec nous. Oui. Remarquez que au moment que bon Dieu prend mesure conservatoire contre deux rebelles. Oui. Où est que bon Dieu parle appliquer et mesure conservatoire contre rebelles. Oui. Et ben il fait déclaration ça regardez que l'homme est devenu comme l'un de nous. Okay. Connaissant le bien et le mal. Et expression ça m'était toujours prendre du temps pour m'essayer comprendre mais au cours de semaine là et m'ta suivre et pasteur péruvien Alejandro Bouillon uh-huh. Et puis monsieur t'a attiré attention auditeur yo sur question ça. OK. Remarquez que l'homme est devenu semblable à nous et c'est pas dans toute dimension. Mais c'est dans un contexte bien spécifique. Et Dieu n'a pas oublié que Dieu est pour Ève péché, c'est parce que l'avantage que l'a tiré apparemment beaucoup plus grand. Exactement. Il base sur sa logique humaine au lieu que il base sur la parole de Dieu. Et maintenant, Bouillon fait remarquer que. Et pour connaître le bien et le mal, bon Dieu t'est lui-même dans préscience li, dans amour li, il t'a choisi mettre Adam et Ève sur l'autoroute du bien. De sorte que tout en ayant le libre arbitre et bon Dieu t'est ouvri autoroute bien seulement devant eux. C'est le choix de Dieu pour eux. Bon Dieu choisit ça cap bon pour eux. Oui. Maintenant, yo même yo vinn yo vinn sembler à bon Dieu c'est lorsque yo vinn choisi c'est yo même qui législateur tête yo autrement dit Dieu a été détrôné pour être remplacé par le moi d'où notion d'orgueil que n'a pas l'air c'est non seulement l'orgueil
mais c'est un son remplacement. Chaque fois que nous choisissons et décidons dans place bon Dieu, eh bien, nous mettons bon Dieu à côté, nous détrônons bon Dieu. Dieu n'est plus Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes devenus Dieu. Donc, c'est la grande dérive là. Ils sont devenus semblables à Dieu. Dieu, en tant que le législateur, il connaît bien et qui s'accapent bon pour nous. Okay. Mais voilà que dans des circonstances bien spécifiques, nous-mêmes nous choisissons et pas tel bagaille qui est bon pour moi, c'est tel l'autre bagaille qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin de bon Dieu dans ça, dans ce détail. Ça. Oui. Il y a l'autre bagaille qui a besoin de bon Dieu là-dedans, mais il y a l'autre bagaille qui n'a pas besoin de bon Dieu là-dedans. Donc, puisque nous basons nous sur la logique humaine, c'est automatiquement, eh bien, nous fait tête nous et bon Dieu. C'est nous-mêmes qui Dieu est, créateur nous, il n'est pas Dieu encore. Ok, merci. Mes chers amis, nous avons conclu pour nous dire, depuis, frère Paul, est-ce que. Ok, allez nous. Problème yote gen, an sa ve di ke pendant yote Satan fin di yo ke yo pap mouri, mais pou yo men yote pense ke lan mwa son bagay ki tap vini rapide. Mais ki le komanse santi problème lan mwa, se le et Kayen monte sou Abel, y touye Abel, konya se le sa konya la Adam avec Eve, c'est là ça a commencé senti les Satan te dit yo pa t'ap mouri a qu'on a c'est là ça a commencé joindre une conséquence la mort. OK. Et deuxièmement nous voyons que jodi a nous-mêmes ça pour nous faire depuis sous moi-même ça veut dire que immédiatement que nous voyons que nous ta gagne un bagaille que nous voyons ou bien nous tapons de un côté quelconque, si nous elle a quitté Jésus de Yoa, là nous tournons la poêle, eh bien, en nous garder pour nous dire côté ça, il n'est pas bon. Ça veut dire que nous ne pouvons pas rester sur le chemin, côté nous connaissons, nous avons péché, pas rentrer là. Parce que si Adam avec Eve pas rester sur Eve, si Eve pas rester bon pied bras, ça veut dire qu'il n'est pas ta péché, non? Ok. C'est ça qui passe. Merci. Donc, nous avons conclu pour nous dire, le monde journée aujourd'hui a engagé dans un conflit. Et au centre de conflit, nous avons l'homme. Bon Dieu, ben nous libre arbitre. Nous avons péché qui dégale des faits dans le temps. Nous avons dégale continue à faire journée aujourd'hui. Mais dans l'intervention de notre affaire à Gomba, nous dit, bon Dieu, mettez deux chemins devant nous. Le bien et le mal. La vie et la mort. Mais il dit, nous choisissons là. La vie. Et c'est pour m'kavini avec intervention, vous dit qui ça? En couben en bas volonté, bon Dieu, pour que dans tout ça que nous avons fait depuis bon Dieu au centre, même le l'amour capable toujours venir, mais espérance là toujours certaine et véritable que bonjour l'amour, gepoul, kaba. Parce que bon Dieu résout problème péché à problème l'amour à la base. Que le Seigneur vous bénisse. Frère et sœur, bonjour. Laïque Bondez Olivier, bonjour. Nous comptons pour nous ensemble, nous arrivons dans la minute laïque. Nous apprenons de nous camper et nous allons chanter chantem, activité laïque pour Anessa. En avance vite, bon Dieu, la fin hiver. Il est pour nous qu'à préparer pour l'ancien. Allez, bon, la grâce, bon, fermé, bon, cap, sauvé. C'est seul vous qui fait volonté, vrai et bien même. Agmentissant, nous réveiller. On nous brécher la vérité. On nous brécher Christ crucifié. Qui va nous l'immortalité. Agmentissant nous réveiller, à nous prêcher la vérité, à nous prêcher Christ crucifié.
Merci, merci Ta. Non, motivation laïque matin, hein? Nous pas gagner un pile temps que nous pral prendre avec ou sinon que nous connaît que depuis quelques semaines de cela, nous entrons dans une période d'évangélisation. Et nous t'a annoncé évangélisation à privé la privée et puis jodi a c'est jour J côté que nous arrivé dans date 3 semaines d'évangélisation qui pral débuter en dans l'église Mont des Oliviers. Nous bay condition nous bay et principe yo consigne yo tout temps n'a rappelé au matin c'est que chaque monde qui chita là, chaque monde qui c'est membre l'église Mont des Oliviers qui regarde sur YouTube, Facebook, nous tout nous concerné. Et si nous dit c'est job co-pastoral, ministère personnel, job pasteur qui peut prêcher pour nous, c'est job et diakona, si nous dit ça seulement, nous pourquoi dans la campagne. Et nous rappelons ça tout le temps, c'est chaque grand monde qui gagne on rôle que vous avez joué pour capable permettre que nous réussissions 3 semaines d'évangélisation. Ça. Et tout le bagage est en place. Bon côté, nous maintenant staff, ministère personnel et staff croisade là. Nous avons fait parler samedi dernier et quelques petits points nous avons mis sous tête. Et pour le moment, nous sommes censés gagner tout le bagage en place pour nous capable démarrer avec la campagne. Matin, mais technically n'a démarré demain soir. Lundi matin, ça veut dire que matin n'a gagné un premier message avec pasteur qui a prêché pour nous campagne qui c'est pasteur Jean Gardi Jérôme. Combien de monde la connaît pasteur Jean Gardi Jérôme? Levez main. Bien content tout monde a regardé. M'a dit non rien tout. M'a quitté cet aller pour nous pasteur Jean Gardi Jérôme. Pasteur Jean Gardi Jérôme est déjà dans le building avec nous. Nous t'aller comme ça, n'a fait connaissance avec lui. D'accord? OK. Pasteur Jean Gardi Jérôme, c'est lui-même qui va prêcher pour nous pendant ces 3 semaines et n'a fait connaissance avec lui aujourd'hui et sans doute après et l'église là, n'a capable toujours rejoindre pour nous parler avec lui pour dire nous ça attend de tout staff là et toute l'église là, n'a pas dit nous ça tout dans message là. Ça vient faire que frères et sœurs, chers amis, attendez. Moi pas gagné en pile causé pour me dire nous sinon que nous t'ai fait ça samedi dernier. Nous font journée de prière et nous fait sous croisade là et nous t'ai bay chaque monde qui travaille l'Éternel mandé pour nous faire. Nous gain préparation pour nous faire et à chaque gros victoire, l'Éternel pral bay, il toujours mandé pour faire ça, pour préparer. Pour vous préparer. Et ça fait nous-mêmes, nous te faisons une journée de préparation. Et pendant toute semaine, nous pensons que nous-mêmes, tout a préparé. Et jour arrivé, nous allons attaquer la citadelle de l'ennemi. C'est pour chaque monde prendre responsabilité. Bon, je dis ça pour me finir. Et avant que je présente nos flyers que nous gagnons, je vais vous nos conditions. Bon, je dis ça pour me finir. Je dis dernièrement, je répète le matin. Chaque période d'évangélisation, son période pour chaque membre d'église gagner engagement personnel yo ak bon Dieu côté bon Dieu pour faire un miracle pour yo. Ou gen doit pas quoi, ou gen doit pas vle faire même doux secret a. Sou vle enrôler, ou ap enrôler. Depuis cette période d'évangélisation, tout sacrifice ou dit ou pral faire pour participer dans prêcher l'évangile, et mais on met traité pour gon bagage. Ou bien que n'importe année ou t'as cherché ou pas jamais joindre ou après comme ça c'est laisse à bon Dieu pour décider de bloquer là-dedans. Pour qui ça? Parce que ou prend engagement. C'est personnel. Moi me prend engagement, me dis nous ça déjà. Participer dans croisade là c'est pas qui plus difficile pour moi. En tant que directeur ministère personnel. Il plus difficile. Mais par contre, me dis non, me dis m'a fait arrangement pour me prendre engagement et me gagne engagement me déjà pour me dire l'Éternel, m'a dans croisade là mais là faut passer avec là. Ça c'est moi ou même ou capable de dire ça. Et si nous tous dit ça, nous prenons engagement ça, nous mettons ensemble pendant ces 3 semaines, l'Éternel va faire gros miracle dans le monde des oliviers. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous voulons ça? Eh bien, préparez-nous pour ça, puisque nous gagnons flyer d'invitation, yo disponible.
moi pas fait un pile flyer d'invitation. Pour qui ça? Parce que moi pas voulu ouais un ken là dans yo sous table là et na machine na parking na valise. Ou gen 5 moun ou konnen ou pral invite yo, n'a bo 5 invitations ou bay moun, ou pral bay 5 moun sa yo. Ou di ah non, moi ka jwenn 10 moun, m'a bo 10. Mais m'pa vle que y a gaspiller tout que c'est l'argent que yo. Mais nous vle que pour nous faire et puis gon l'autre bagaille que frère Salnav te ban nous comme conseil et m'penser que c'est li n'a essayé appliquer. Là nous fait gros sorti en foule li attirer attention l'autre et pasteur yo, ça yo fait yo courir mettre l'autre programme de pour empêcher moun vini nan pou la. Ça fait ça n'a pas ça là longtemps, nous connait ça avec expérience. L'elle dit ça, on prend ça en considération, on dit OK. Bon mandé chaque membre d'église engagé personnellement, même si vous avez deux monde seulement, on pas gain problème à ça. Même si tu gain youn, on pas gain problème à ça, mais seulement make sure que moun ça ou al côté ou invite et ou encourager le venir et ou dit ou passer prendre même pour menel nan croisade. Ça veut dire que si nous fait de proximité comme ça, tant que n'al fait gros sorti à plongaillé, proximité a li ta supposé ban nous pi bon résultat et laisse à tout n'a empêché que de moun avec des esprit mal intentionné ta capable vin en entraver processus croisade pa nous. Ça veut dire que ça moins compter sur chaque grain moun même si son seule invitation qu'a fait fait un seul là. Ou ka fait 10, fait 10 là. Ou ka fait 20, fait 20. Si c'est un coup de fil, ou capable fait coup de fil là. Si son aide ou besoin pour faire, vin côté mystère personnel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que frères et sœurs, chers amis, nous dans combat et combat a commencé matin. Est-ce que nous d'accord pour nous rouler dans combat ça? Hein? OK. Eh bien, nous comptons sur nous. Et à 3 heures, n'a fait une rencontre avec staff croisade là et puis toute l'église là tout pour nous capable faire distribution flyer à 3 heures. Pour nous faire distribution, n'a bay dernier consigne sans doute n'a gagné et pasteur là ensemble avec nous, pasteur Massap là tout et puis n'a bay toute consigne et puis n'a prié ensemble et puis n'a remettre invitation et puis qu'on y a ou même ou connaît qui moun nou getan ciblé ou pral bay invitation lan demain soir 7h30 n'a pas démarré avec campagne évangélique là bon côté pa nou planifier kon ya ou même c'est pour al derrière moun yo pour vinn tande la parole de Dieu. Bon Dieu compte sou nou, l'église la compte sou nou et ensemble n'a pas remporter la victoire. Est-ce que nous quoi ça? Que le Seigneur vous bénisse. Baissez tête nous à nous prier pour nous capables faire transition pour nous passer dans l'annonce. Notre Père notre Dieu, merci pour grâce et amour manifesté envers nous et merci d'être que enrôlé nous dans l'armée là pour notre travail vous. Nous gain volonté c'est vrai, mais l'ennemi a metté en bus sur route nous. Ça fait matin. Nous chaque qui là, volonté que nous gagnons pour notre travail pour nous vienne soumettre lui en bas action Saint-Esprit qui pour prendre et transformer volonté ça et kembel la caille nous pour nous avancer et pour nous capable mettre main tout bon dans travail et résultat c'est pas nous qui baille nous connaissons ou même à travers Saint-Esprit qui travaille et qui fait nous joindre résultat. Ou ensemble avec nous chaque membre d'église, ensemble avec chaque membre dans staff campagne là et surtout ou ensemble avec pasteur Jean-Gardi Jérôme ou va imprégner lui et ou va avec lui et comme ça tout ça qu'on le fait à travers campagne ça c'est pour gloire non et c'est gloire qui va éclater à travers grande victoire qu'on va le ban nous au nom de Jésus de Nazareth. Bénis nous, pardonnez péché nous, fais nous grâce, nous prions au nom de Jésus lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup. Nous été en place, qu'on a assez prêté ma attention nous pour me faire transition rapidement pour me donner quelques annonces que moi-même moi gagné pour nous matin. J'aimerais se dire ça tout à l'heure. Nous a commencé avec campagne depuis matin, nous va gagner
pasteur qui a prêché pour nous, mais demain soir à 7h30 c'est pour la première soirée nous demain soir, d'accord? Première soirée nous demain soir 7h30 n'attend tout le monde. Gain on phrase nous toujours dit et m'a dit la matin, foule attirée foule. Ça veut dire premier monde qui doit venir tendre la parole, c'est nous-mêmes membres d'église. Pendant nous vini, eh bien, n'a attiré l'autre monde d'une bon côté nous. Pendant nous vini avec monde petit à bon côté nous. Depuis nous vini nous-mêmes, a toujours gain monde qui pour tendre la parole de Dieu, parce que même sous dit ah c'est évangélisation, mais c'est nous chaque qui gon parole que bon Dieu pour le voyer pour nous. Fait plein ou même pour là et mener on l'autre monde ensemble avec vous. 7h30 chaque soir ici a n'a démarré demain soir. Ça pour connaître c'est que les jeudi soir n'a off. Nous pas travaille jeudi soir yo. OK? Nous quoi c'est 3 jeudi, nous pas travaille 3 jeudi. N'a travaille toute l'autre journée semaine non? Les soirs 7h30 mais nous pas travaille les jeudi et les samedi soir yo nous pral et arranger pour nous capable commencer à 6h et de préférence que nous commence à 7h30 m'a prédit encore pour qui ça parce que les nous là les samedi et puis ça va pral faire un petit peu bonheur et bien nous pas obligé aller pour tourner parce que li ka difficile pour vous et bien 6h n'a pas arrangé nous pour nous démarrer et les samedi d'accord c'est les samedi soir pour nous gagner tout le monde pour tout le monde qui a une chance pour participer nous grand si gros monde pour le prendre non et pour tourner avec bien bonheur et puis les venir dans campagne là normalement les samedi m'a reprendre je voulais pour pas faire qu'un cacophone chaque soir 7h30 n'a travail excepté jeudi soir mais les samedi les sabbats comme les sabbats nous toutes nous l'église là eh bien n'a commencé à 6h pour nous cap quitter à la caillou et dans l'heure sous gain l'autre bagaille pour faire pour gagner temps pour faire est-ce que tout le monde comprend ça me dire est-ce que nous tout tendez OK d'accord mettez ça dans tête nous n'a pas rappelé ça de temps en temps mais c'est comme ça que n'a pas opérer pour campagne évangélique là demain soir 7h30 n'a pas tout le monde pour nous démarrer avec campagne là on peut toujours venir à 7h15 parce que avant ça a gagné prélude a bien chanté mais 7h30 si Jean yo a là a fait bienvenue ça c'est une bagarre nous pour qui ça pour nous voir tout le monde la caillou à l'heure pour nous pas dépasser l'heure que nous gagnons pour nous pas passer assez l'heure pour le prêcher mais pour nous capable la caillou à l'heure pour encourager tourner chaque soir d'accord mais ça faut venir sont qu'on a toujours venu à 7h15 puisque y a des monde qui vous fait exercice de chant avec nous normalement d'accord j'espère que me dit tout ça me doit dire pour le moment sous camp là nous connaissons dans l'église là gagné cri de Rama est-ce qui c'est qui dirigé par madame pasteur Mars côté yo prier pour petit monde yo maman yo qui a prié pour petit yo chaque jour c'est 5h du matin pour 5h30 en première séance deuxième séance en fait de 5h30 à 6h ou même qui c'est maman qui gagne petite mais ou même tout qui c'est fille qui aspire gagne petite et bien ou capable monter ligne là pour prier ensemble avec 857 777 7401 857 777 7401 c'est ligne ça on est pesé sous lit ou va monter directement sous cri de Rama. Chaque mardi, nous gagnons demi-journée de jeûne et de prière dans l'église là. Pour le moment, nous faisons sous ligne de prière l'église là. Vous capable toujours monter sous ligne de prière l'église là pour capable prier ensemble avec nous chaque mardi, demi-journée de jeûne et de prière de 9h à midi que nous faisons journée de jeûne ça. Classe enfantine toujours fait leçon de l'école du sabbat ensemble avec Timonio chaque vendredi sous Zoom l'église là. Zoom ID l'église là c'est 717-853-6967. 717-853-6967 et puis password là c'est children. Ou capable monter pour capable fait Timonio capable étudier avec staff classe enfantine. Chaque vendredi à 6h, il fait leçon de l'école du sabbat. Gagnant et sister Eva qui c'est directrice aventurier lui mandé pour parents capable contacter lui pour capable joindre registration forme pour timoun yo
de dire pour nous faire ça puisque le gagnant est lien qui est disponible. Alors il dit que c'est sister Yves-Lys Bernard dans Ephraim dans l'église Ephraim non lui-même qui a gagné pour capable faire cours en français pour Timonio et pour Youfio et jeunes adultes de 9 ans à 25 ans. C'est pas l'on va cap fait sous virtuellement, ça veut dire en ligne. Et bien, il dit c'est pas mardi après-midi qui a 11 mardi qui a 11 octobre, OK? Qui a 11 octobre. C'est là ça qui a fait lui. Et bien, il mande nous pour nous capable là dans classe ça. Il dit si tout le monde qui besoin pour capable participer dans cours ça, c'est lui même pour contacter. On va contacter lui. Et ça capable et bah ou tout son besoin. Ou ka contacter le 475 265 0326 ou joindre toute réponse qu'au besoin sous da capable dire en formation ça qui a fait en ligne non seulement pour Timonio mais pour toute jeune et jeune de 9 à 25 ans en dans l'église là. Contactez sœur Eva pour plus information. Et puis toujours club aventurier toujours et ben a bien un field trip qui a fait pour le 13 novembre 2022. Yo pralé dans et Maritime Aquarium dans Norwalk là et ben trip ça nous capable voir avec sœur Eva pour dire nous tout ça n'a besoin pour capable gagner timoun yo qui aller dans trip ça c'est de timoun aventurier rivé jusqu'à 12 ans y a capable aller dans trip ça ensemble avec sister Eva mais c'est nous mêmes qui pour contacter pour capable nous tout reste détail que nous besoin yo. Diakona, groupe 3, c'est lui-même qui des services pour semaine ça. Et puis jodi a, n'a gagné coucher du soleil à 6h25, ça veut dire que ça, ça va fermer à 6h25. Et vendredi prochain, n'a gagné coucher du soleil à 6h15. Ça veut dire ça va approuver vendredi prochain à 6h15, fait plan pour nous capables à l'heure dans Saint-Jour l'Éternel. À soya c'est 6h25 la fermé et vendredi prochain la l'ouvrir à 6h15. C'était une annonce que me dégain pour nous pour matin. Hein? Je souhaite que nous va passer un bon sabbat et bonne adoration. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour, bonjour l'Église. Bonjour. Nous comptons ouais, nous matin. C'est moment construction qui arrive. Côté que moment ça, c'est moment qui permet que nous tous participer et qui permet que nous là matin. Bon Dieu mette dans le cœur nous, il mette dans l'esprit nous, elle mette dans la main nous pour nous participer dans l'œuvre liée. Et nous pas besoin marchander ou connaît qui ça bon Dieu fait pour vous et les que vous baillez à bon Dieu qui ça lien en retour que le fait de ce fait nous connait projet déjà nous besoin aide nous et n'a dit ou ouvert cœur ouvert main et que bon Dieu a remettre tout ça nous pas faire rien mais ça seulement. Nous remettre dans main bon Dieu pour être capable de faire ça que cœur désire et que ça lui-même lui voulait faire pour nous dans la vie. Pour nous capable participer, pour nous capable chanter et pour nous capable commencer passer dans rang pour ramasser ça nous déboté pour construction. Nous allons chanter le chant approprié avec frère Blaise Baptiste. Bâtissons le temple, bâtissons le temple du Seigneur. Prévenez nos têtes, bâtissons le temple du Seigneur. Vivons le temple du Seigneur. Prévenez nos aides, servez nos aides,
Dégons le temple du Seigneur, embellis le temple, embellis le temple, embellis le temple, embellis le temple du Seigneur. Revenez nos têtes, desservez nos têtes, embellis le temple du Seigneur, découvrons le temple, découvrons le temple, découvrons le temple. Découvrons le temple du Seigneur, revenez nos aides, servez nos aides. Découvrons le temple du Seigneur, découvrons le temple, découvrons le temple, découvrons le temple, découvrons le temple du Seigneur. Revenez nos aides, servez nos aides. Découvrons le temple du Seigneur, oh, bâtissons le temple, bâtissons le temple, bâtissons le temple, bâtissons le temple du Seigneur. Revenez nos aides, servez nos aides, bâtissons le temple du Seigneur, découvrons le temple, découvrons le temple, découvrons le temple. Découvrons le temple du Seigneur. Revenez nos aides, servez nos aides. Découvrons le temple du Seigneur. Bâtissons le temple, bâtissons le temple, bâtissons le temple, bâtissons le temple du Seigneur. Revenez nos aides, servez nos aides. Bâtissons le temple du Seigneur. Nous pouvons être pour la prière. Bon étant le Père des cieux, Papa nous qui est dans le ciel, nous louons, exaltons, nous vous saouillons, vous soyez continuer dans la vie. Nous. Merci pour la grâce que vous faites. Nous. Côté que au cours de semaine, nous sommes allés vers la occupation nous, et même matin, on ne conduit pas nous dans le temple pour nous adorer en esprit en vérité. Nous devons mettre sous cœur, nous devons participer dans ce moment. Ça. Nous demandons de grâce permettre que nous puissions toujours gagner l'intention de participer. Ça que nous gagnons encore, ce n'est pas assez. Mais nous-mêmes, on va multiplier. Et qu'en retour, on va avoir des témoignages. Et que nous allons louer le nom d'éternité en éternité. Dans le cœur, nous pardonnons les péchés. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Mettez chaleur encore nous, parce que c'est nous arriver dans un moment côté que nous pas qu'à fret encore, parce que c'est déjà parti pour l'effort d'évangélisation et c'est la donne même nous déjà et c'est ça que nous a mettre nous chaud et chaud faire ça. Nous t'as souhaité qu'il retienne net dans nous et pour nous pas relâcher lui. Ça continuer jusqu'à avec nous jusqu'à l'éternité et non pour le faire exercer des chants n'a chanté chants surtout qui a compris avec évangélisation et c'est tout pour Kembo dans le bain et ces chants nous habitués à chanter et faire chanter quand même et pour échauffer vie spirituelle non à chanter d'abord au numéro 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Roi messager, ici va vous paraître et préparer le royaume. Le bébé y'en convient, y'en convient.
étoiles des cieux. Posillons l'immortel et vitre. Voici le jour, frère, l'être des cieux. Les premiers anges, pour les grands rapides, s'il des enfants, s'il est du grain du jour. Dès le Seigneur, pour toi, mon demeure vide, plus jugement va descendre, des éveillants copains, encore bientôt dans la gloire, notre roi va être à des cieux. Nous voulions l'immortel de victoire, voici le jour, frère, l'être plus des cieux. Si Babylone, c'est les deuxièmes, plus bon berger, rassemblez ses troupeaux. Elle va chanter dans les mains qui m'aiment, et si les pieds repensent, les rois encore belles. Modèle de victoire, voici le jour, frère, l'être de l'insulte. Le troisième ange a porté son message, il les appelle d'une langue à son privée. Loin de l'agneau, il est le breuvage, où l'ennemi consomme son destin veillant corbeille. Encore bientôt dans la gloire, notre roi va être adressé. Oscillant l'immortel de victoire, voici le jour, frère, l'âme de la cieux. Sauveur du monde, écoutez la prière de tes enfants, si les déclins du par l'esprit, il porte la lumière de l'évangile annonce qu'on retrouve en gobert. Encore bientôt dans la gloire, dans le roi par l'esprit, aussi en immortelle victoire. Voici le jour, frère, l'être de Dieu. Jésus te confie une œuvre d'amour. 185. C'est ça, mon Dieu, faire. Moi, avec vous, faire une œuvre pour nous capables d'accomplir pour les mêmes. Jésus te confie une œuvre d'amour. Jésus est béni. Cette sainte tâche veut l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faire les prières après jour. Son proche, c'est ton sauveur avec amour. Sois fidèle, puissant, et le maître rentre à ton travail puissant. Que Jésus, ton frère, esclave en la la de sa misère, de son nom passé, arraché son âme, blessé d'homme, le salut pour la mère un puissant sauveur. Oui, en Jésus, à vrai jour, son bon Jésus, ton sauveur avec amour, sois fidèle, l'homme puissant.
jeunesse que le temps d'ailleurs. Heureux sans cesse, c'est un vrai bonheur. Combattant le trône par l'ennemi d'amour. Montez-lui la route du ciel saint. C'est Jobéas et Bria, c'est Jobéas après les jours. Ton bon chef et ton sauveur avec amour. Toi fidèle, homme vieillissant, il m'aime plus grand. Valdez qui meurt, sans Dieu, sans espoir. Les anciens qui meurt, sans tout semble noir. Jésus donne vie, pour ne pas les faire. En qui se confie, non, pour jamais. Clocher, sonner l'évangile. Parce que nous sommes, nous bien cloche là dans mes noms, et bien nous avons sonné qui est les cloches de l'évangile et pour nous capables d'annoncer des autres. Jésus vient bientôt. Clocher, sonner l'évangile. Rédemptrice en ton lieu, par la campagne, la ville, on entend des chants joyeux. Les années de mal monde, les voix sauvées dans la mort, que la terre au ciel répande. En acclamant le Dieu, oh Père salut, oh Jésus, nous chérions ton nom. Oh Père salut, oh Jésus, oh Jésus, naissance d'un sauveur dans le monde manifesté. Ses enfants à tout péché. On est dans tout le monde la nouvelle du pardon. Que les sans Père salut, oh Jésus, nous chérions son Père salut, oh Jésus, recevons tous ceux de soi. Après, nous avons mis nos debout ensemble et pour attendre au numéro 163, silence, un souffle de sang. Silence,
appel à l'adoration. Et juste avant la lecture, nous récitons notre profession de foi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et des miracles et des jugements de sa bouche. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur et notre Dieu, soit la gloire ce matin, qu'il plaise à notre Dieu, lui qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé le 7e jour, qu'il lui plaise dans sa commisération et son amour infini nous visiter ce matin, qu'il plaise à l'Éternel d'ouvrir les écluses des cieux et de faire pleuvoir sur l'assistance en prière ses plus riches bénédictions. Qu'il plaise à l'Éternel de graver en lettres d'or nos noms ce matin dans le livre de vie et qu'à la venue de Jésus, tous ensemble, nous soyons sauvés pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Frère Maxemio, amis visiteurs, grande famille, mon des Olivières, ou même captain de nous, sous les téléphones, ou bien cap garder nous, nous saluons, dans le nom de Jésus de Nazareth, le grand vainqueur. Malgré toute grande attaque, ennemi a essayé de faire pour nous, sous nous, pendant cette semaine. Grâce à Dieu, tu as couvert nous, rien de drôle ne va pas passer. C'est la raison qui fait, avec un cœur reconnaissant, nous réunis dans le temple le matin pour nous venir continuer à adorer bon Dieu, balayer l'honneur avec louange. Dans nos administrations de l'Église, là, nous comptons pour nous saluer. Nous
nous dire bienvenue. Amen. Que ces petites cailles, que ces visiteurs, bienvenue à l'autre fois. Et nous comptons pour nous saluer Pasteur Jean Gardi, Amen. Jérôme, ensemble avec Madame Lin, qui est avec nous ici à Jodia. Bienvenue, nous comptons gagner nous avec nous. Et nous reconnaissons si nous avons l'autre amis visiteurs qui est avec nous matin, soit pour la première fois ou bien qui connaît là déjà. Nous avons mis debout, nous avons mis saluer. Sœur Jérôme, nous avons mis saluer. Amen. Mettez debout, s'il vous plaît. Amen. 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 Bienvenue en l'autre fois. Nous avons gagner visiteurs encore. Nous avons visiteur côté Sœur Jésumène. Amen. Ses neveux, Sœur Jésumène, nous disons bienvenue dans la famille Modèle Olivier. Nous comptons, wow, nous comptons avec nous. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps qui est vraiment scary. La guerre tout partout, nous avons dévoré une autre. Si nous n'avons pas de Jésus, il est plus scary toujours. Mais parce que ça n'est pas surprise pour nous, nous te connaissons des choses qui sont pour arriver. C'est pas vrai? Amen. Sous moi-même avec vous. N'a pas continué à lutter. N'a pas continué à rester la caille bon Dieu. Parce que c'est la caille bon Dieu qui a tout bon bagage, c'est pas vrai? Pas de l'autre côté encore, pas de l'autre place encore, n'a plus confortable que la caille bon Dieu. C'est vrai, famille toujours bataille, c'est pas vrai? Nous sommes tous des frères et sœurs. Pendant que nous avons grandi, nous avons bataille avec une autre. C'est pas vrai, nous faisons compte. Mais ça va vous dire, nous avons quitté la caille, nous avons pris la rue, qui côté nous aller. Ok? Nous avons prêté la caille, nous avons continué à lutter ensemble, nous avons pris main en main, nous avons continué à avancer jusqu'au bout. La trompette a sonné pour bon Dieu capable de nous ensemble. Et comme ça, nous avons prêt pour nous rencontrer avec lui. Et une autre fois encore, nous disons bienvenue. Que bon Dieu bénisse nous, passez une agréable journée de sabbat. Amen. On a passé avec Pasteur Mars. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Est-ce que nous comptons pour nous la présence de mon Dieu? Et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui attendent nous sur YouTube, Facebook, Instagram, ligne téléphone. Pendant la caillou, n'a pas adoré bon Dieu ensemble. Les mêmes bénédictions que l'Éternel gagne pour le monde qui l'entend plein, l'a déversé pour parce que nous observons Dieu qui est omniprésent, qui est présent partout et en même temps. Et que bon Dieu bénisse nous côté nous, mais nous sommes contents pour nous être capables. L'entend plein avec nous, fait des plans pour nous capables là. Alors que nous venons de parler d'une grande croisade d'évangélisation, pas vrai? Ça fait peur. Si le peuple n'est pas avec nous, nous ne sommes pas croisade, n'est pas vrai? Combien de monde qui fait plan pour nous participer corps, âme et esprit dans la croisade là? En moi, membre de l'église, pas levé, mais nous ne pas participer dans la croisade là? C'est une opportunité en or que l'Éternel bat nous pour nous capables de relever des défis. Nous. Si nous passons toute une année, nous ne disons pas au monde que Jésus remet ou bien Jésus a retourné, nous ne faisons rien. C'est pas vrai? Vous te mettez à adorer chaque jour, chaque sabbat. Mais si vous n'êtes pas capable de dire à l'autre monde qui est Jésus en yé, parce que c'est la mission première de l'Église. C'est pas vrai? Croisade, c'est une occasion qui offre à chacun de nous pour nous participer. C'est pas vrai? Et nous croyons que chaque soir, nous avons plus de monde que le monde qui est là. C'est pas vrai? Wow! Lorsque vous à venir, vous continuez à venir. Mais mes amis visiteurs, nous avons des choses intéressantes que nous avons préparées pour vous tous. Chaque soir, si nous attendons nous sur YouTube, Facebook, croisade lancée, la commencé demain soir, cap 9, la fini au 29. Venez dans le temple 244 North East Avenue, Nord-Ouest, Connecticut. 244 East Avenue, Nord-Ouest, Connecticut. C'est là que nous attendons nous demain soir à partir de 7h30. Tout le monde vient dans le temple,
n'a béni et bon Dieu a délivré nous. Et nous voulons porter salutation du premier ancien qui est en voyage. Et nous voyons qu'il semble que l'ancien Salnablan, même voyage là, parce que yo doit aller du côté de maman, yo qui du côté de Massachusetts, c'est pourquoi le premier ancien n'est pas présent. Mais il m'avait dit de saluer l'église pour lui. Nous connaissons que l'irrité l'église, même s'il devait pas vrai. Et nous voulons dire bon Dieu merci également. Nous voulons demander l'église là. Immédiatement après l'église là fini, nous t'arrêtons ouais, tout membre comité pour less than 5 minutes. Maintenant, à 3 heures, nous avons réuni pour nous capables de sortir pour croisade d'évangélisation. Mais il y a une communication spéciale. Nous avons besoin à l'église là que tout le monde qui est là est capable de présent. Et les gens qui n'ont pas présent dans le temple, venez pour communication ça. Nous avons besoin de vous, chers frères et sœurs, pour avancer alors avec la cour de Dieu. Que bon Dieu capable de continuer à bénir nous et nous continuer à prier pour les malades qui sont dans nos rangs. Lorsque vous avez des gens qui sont là, qui pas là, pas qu'on ait ces pasteurs là ou bien anciens seulement, ballon coup de fil pour qu'on ait comment lire, pas vrai? Vous avez ça? Son frère, tes chita là, on sort ou pas, well, ballon coup de fil tout, et pas vrai? Dis nous t'es manqué, mais que ce soit sincèrement, et pas vrai? Pour nous capables de travailler ensemble, pour nous avancer à la cour de Dieu, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que Saba sera capable de bénédiction dans la vie, que la paix de Dieu avec. Pour commencer avec le service, vous allez vous lever pour chanter au numéro 32 des hommes louanges sous la direction de nos chants. Ok, number 19, 19. Yeah.
Alléluia. Oh, nous rachetés. Oh, nous rachetés. Oh, nous rachetés. La mort s'échange. L'évangile de Jean au chapitre 16 et le verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Nous lisons ce qui suit. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole de l'Éternel. Amen. Good morning, church. Today's scripture reading is found in John 16, verse 33, and it reads, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." This is the word of God. Sur les sentiers, humains de tout temps.
Éternel, notre Dieu et notre Père, Créateur de l'univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, du haut des cieux, tu reçois l'adoration des anges qui n'ont jamais péché. Et pauvres pécheurs que nous sommes, associés aux anges sur la terre, nous sommes en ta présence pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te remercions pour tout cela, pour ta grâce, ton amour, ta bonté manifestée envers nous. Merci pour la semaine traversée à l'ombre de tes ailes protectrices. Exposés aux dangers, malheurs et accidents, tu nous as gardés, entourés par tes saints anges, conservés en nous le souffle de vie. Et nous sommes en ta présence. Nous disons que ton saint nom soit béni d'éternité en éternité. Nous voulons également te demander pardon pour nos fautes, nos écarts, nos manquements. Nous avons péché par pensée, par parole, par action, par omission, même lorsque nous proclamons, n'abservi ou, mais nous ne voulons pas obéir à parole ou, nous voulons vivre, j'en nous voulons, et nous voulons se pour ta conformer à nous-mêmes, au lieu que nous conformer nous à nous-mêmes, malgré tout, ou faire nous grâce. En moment ça, nous demandons pour capable mettre en nous un cœur nouveau, un esprit bien disposé, afin que volontaire seulement capable de faire dans la vie nous, les nous approcher devant pour nous adorer ou, on va recevoir adoration nous et en retour va bénir nous Seigneur. Nous levons l'église, mon des oliviers devant, nous demandons pardon pour les péchés de ton peuple, pardon pour leurs fautes, leurs iniquités. Fais grâce Seigneur et ébraye-nous tous par la puissance de ton Saint-Esprit qui puisse nous convaincre du péché et nous conduire sur la voie de l'éternité. Fais grâce à nous Seigneur, tu sais que nous sommes sans force et sans toi nous ne pouvons rien faire. Mets ta force dans nos faiblesses, afin que nous puissions obéir à la voix de ta parole. Toi seul es digne d'être adoré, parce que c'est au même seul qui Dieu, c'est au même qui créateur du ciel et de la terre, tu es notre créateur, c'est le créateur seul qui est digne d'être adoré, non par les créatures. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as faite dans ta présence. Puisque nous sommes en ta présence, avec assurance, tu reçois nos adorations. Nous demandons au Seigneur pour visiter le peuple, à Mont des Oliviers spécialement où nous sommes, et à travers la terre entière, pour déverser les bénédictions que tu as en réserve aux anges qui n'ont jamais péché sur ton peuple. Et cela permettra que nous soyons prospérés à tous égards et par-dessus tout de rester attachés à toi. Et lorsque tu reviendras, nous entrerons dans ton royaume de gloire et de félicité et nous t'adorerons pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, l'église dans les vents, il y a un pile monde qui n'est pas présent pour un motif quelconque. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Nous dit la parole de Dieu. Nous demandons au côté yo yéan visiter au lacayo. Ça qui est en difficulté, capable de jouer une solution. Fais qu'on est en présence où c'est la vie et loin de toi c'est la mort. Et que nous capables de choisir toujours pour nous en présence. Afin que pour nous capables de vivre non seulement sur cette terre, mais dans la vie future pour nous gagner la vie éternelle. Visitez petit tout côté yo yéan. Fais prendre détermination pour venir en temple. Afin que nous tous ensemble, nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Puisque tu es présent au milieu de nous, que les malades soient guéris, que ce soit spirituel, physique, mental, moral, sentimental, et que on va façonner cœur nous pour nous vivre pour vous, dans la franchise, la sincérité, dans l'amour, notre Seigneur et notre Dieu. Merci encore pour ton peuple. Alors que nous voulons élever devant toi, non seulement l'Église adventiste à travers la terre, mais le monde a besoin de toi en cet instant. Les pays qui sont en guerre et le pauvre pays d'Haïti a besoin de toi, Seigneur. Nous voyons autour de nous, c'est toi seul qui est capable d'apporter une solution dans ce pays parce que tu es capable de changer les cœurs et les reins pour accomplir des saints. Si tu fais des Bikaneza, accomplir des saints, ce n'est pas personne qui n'est pas capable de faire accomplir des saints parce qu'on domine dans les cieux et sur la terre. Nous remettons tout le monde, Seigneur, nous demandons de faire grâce, faire que nous sommes capables de contempler la délivrance de ce pauvre pays. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons que nous sommes passagers sur la terre. Bientôt tu reviendras. Aide-nous à fixer regard nous en haut pour nous capables vivre pour nous-mêmes en obéissant à la voix de ta parole et pour lorsque le monde voit nous pour être capables de proclamer oui mon ça c'est petit bon Dieu yoyé. La parole nous, la action nous, le comportement nous pour être capables de voir oui c'est petit bon Dieu nous yé. Alors que nous sommes dans une période de croisade d'évangélisation. Nous demandons au Seigneur, puisque c'est la mission de l'Église, accordez-nous la puissance du Saint-Esprit qui est capable de consommer nous dans l'unité et nous tous nous va sentir nous engagés pour nous capables de prendre part. Le travail, ça, nous ne pas travailler avec les hommes, c'est avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien qu'invisible, mais réel.
Seigneur, nous capables de travailler pour vous. Nous connaissons victoire l'an déjà remporté auprès de toi. Mais on va permettre de nous participer. Et ensemble, nous va réjouir pour tous frères nous avec soeurs nous qui t'a péri au dehors, qui sont capables de rentrer au bercail. Puisque croisade la gon l'autre phase également. Non seulement nous prenons les l'autre, nous prenons les frères nous qui pas présents. Mais nous demandons nous-mêmes qui présents pour transformer la vie nous, afin que nous capables créer une atmosphère de paix. Lorsque vous venez, on va sentir bien en présence nous et nous va demeurer ensemble et ceci jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons va bénir chaque personne qui n'est pas active dans le moment ça et ton serviteur que tu as choisi pour cette période spéciale qui va nous parler en ce matin. Qu'il soit effacé et rempli par la puissance de ton Saint-Esprit et que tu donnes toi-même à son travers parler à nos cœurs et que nous puissions dire oui, l'Éternel est présent en ces lieux. On va bénir nous, on va bénir famille, on va mettre sous manteau protecteur, on va accomplir les désirs de leur cœur selon ton amour et ta volonté. Parce que les projets que tu as pour tes enfants, ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Encore une fois de plus, bénis l'église où chaque famille qui composait l'église là, la jeunesse de ton peuple est élevée devant toi et ton serviteur qui est en voyage et les autres membres, on va garder ou protéger ou prends soin de ton église et pouvoir à tous nos besoins afin que nous puissions te servir en toute fidélité, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons que tu reviens bientôt. La chose qui nous intéresse le plus, c'est de voir bientôt Jésus et que nous sommes capables de délivrer de cette terre de misère, de souffrance, de tribulation et nous capables de vivre avec vous pour l'éternité. Entends nos cris, pardonne nos péchés, exauce nos prières, car nous t'en prions au nom de Jésus, notre divin sauveur, lui qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. Sur ce, nous pourrons aller ramasser les offrandes de l'Assemblée, les dîmes de l'Assemblée. Et pour ce faire, nous avons invité ou même qui est en ligne, ou bien qui est sur YouTube, ou bien qui n'a pas joué ensemble avec nous dans le sanctuaire, là, ou qui a trois façons qu'on a joué ensemble avec nous pour bailler dîmes et offrandes. Premièrement, ou qui a mail nous un chèque dans l'adresse 244 East Avenue, Norwalk, Connecticut 06855. Deuxième façon qu'a fait ça, ou qu'a aller en ligne,
ou ka ale nan Adventist Giving, et nan premier page la, ou ap ekri Mont des Oliviers. Et adresse la, ou aprel 244 la, ou ap make sure que ou choisi Mont des Oliviers, et ou ap jwenn yon enveloppe électronique côté que ou ka fè, ou ka voye offrande et dimou online. Et troisième façon qu'on ka fè sa, sou insisté a bali en monnaie, ou ka toujours vini, toujours disponible, entre le dimanche et mardi, de 9h à 11h. Que bon Dieu bénisse, et nous allons ramasser les offrandes de l'Assemblée en chantant le numéro 208 avec le chantre du jour. Merci, que bon Dieu bénisse. Ce que ta main nous a donné. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, monarque souverain de l'univers, nous coubons bien bras de présence pour nous dire merci, pour nous bénir, pour nous louer, pour nous exalter, pour bien faire envers nous. Merci pour santé côté ban nous, pour nous t'al travail et pour nous gagner de quoi
afin que nous puissions porter partie qui est revenue à nous-mêmes dans le temple matin. Merci Seigneur pour ça, yo qui baille en ligne, qui baille généreusement en ligne. Nous bénissons pour yo. Nous prions Seigneur qu'on puisse recevoir offrande cœur nous d'abord et recevoir offrande main nous. Nous prions au Dieu qu'on puisse pardonner péché nous et bénir ça yo Seigneur tout le monde qui baille. Nous prions Seigneur que qu'on puisse pas jamais manquer de rien. Que toujours Seigneur maison yo qu'on va combler de tes grâces et de tes bienfaits, fais-nous faveur et ça yo qui pas gagner pour bailler sincèrement. Nous prions Seigneur qu'on puisse visiter yo, voyez corbeau dans maison yo et permettre que Dieu d'amour la prochaine fois yo qu'a joindre de quoi faire. Afin que vous-même tout puissiez contribuer à cœur joie. Et béni offrande ça qui est ramassé, permettre que vous puissiez contribuer, que vous puissiez faire travail, aller plus loin sur la terre, et que l'évangile qui va prêcher, et qu'une âme qui va sauver, la dernière âme soit sauvée, et que Jésus-Christ qui va tourner. Nous ne pouvons pas dire pour nous adresser cette prière, mais nous te l'adressons au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, à lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Hello everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Brotherly Love. The memory verse is from Matthew chapter 5, verse 9. It says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God." Today's message is we honor God when we live peacefully with others. Jerry was angry. His brother Jimmy had a new bike and Jerry got his brother's old one. Jerry was jealous. He wanted a new bike too. So one day, Jerry just took Jimmy's bike and went for a long ride. The Bible tells us about two brothers. One was jealous of the other, and a terrible thing happened. After they left the Garden of Eden, Adam and Eve had two sons, Cain and Abel. Cain became a farmer. Abel became a shepherd. Every day, Cain worked in his fields while Abel took his sheep to graze. Abel loved God. He wanted to do the things God asked of him. He liked bringing gifts to God, and he loved to worship him. Cain was different from his brother. He did not want to do what God wanted. He wanted to do his own thing. Cain didn't want to think about what had happened to their parents. You remember what happened? God told Adam and Eve that they could eat from any tree in the garden except one. If they ate from that tree, they would die. But Adam and Eve listened to Satan and ate fruit from the tree. They did not die right away, but they had to leave their beautiful home. God told them about his plan to send his son to die for them, but it would be some time before Jesus came to earth. So God found a way to show Adam and Eve what it meant to die. After Adam and Eve sinned, God created clothes with the skin of animals. And as they watched the flowers die and the leaves fall from the trees, they began to understand a little bit about death. Then God showed Adam how to make an altar of stones. He showed him how to take a perfect lamb from the flock and place it on the altar. Adam was to kill the lamb and offer it as a sacrifice. Sacrificing an animal was a way for Adam and Eve to say they were sorry for their sin. It was also a way to show that they believed the promise that Jesus would come. This sacrifice was to remind Adam and Eve that Jesus would die for their sins. Adam and Eve felt terrible when they understood this.
When they were old enough, Cain and Abel learned to sacrifice animals for their worship too. Abel accepted God's promise that Jesus would die for him. He wanted God to know he trusted his promise to send a Savior. So he built an altar and sacrificed a lamb from his flock. God accepted his offering and sent fire from heaven to burn it up. Cain knew they should offer sacrifices to God, but when it was time for him to make a sacrifice, he did not do it God's way. He built an altar just as Abel had done, but he put fruits and vegetables that he had grown on the altar instead of the lamb that God asked him to use. God didn't accept Cain's offering. He didn't send fire from heaven to burn it up. Abel tried to tell Cain to do what God said, but Cain was stubborn. He was angry because God didn't accept his offering. He was angry at Abel too. He was so angry that he killed his brother. God sent Cain away from his family after that. If only Cain had done as God had asked him to do. If only he hadn't become jealous and angry. If only he had been a peacemaker. Aren't you glad you don't have to kill a lamb for your worship? Aren't you glad that Jesus came and died to save you? Just pray to God and say, "I'm sorry for my sins. I accept Jesus' sacrifice. Thank you for the gift of Jesus, the one who died for my sins." He will hear you, and he will accept you into his family. He will help you to be loving and kind at all times. Amen, chers frères et sœurs. Et que en ce moment, nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque pour nous servir bon Dieu, son choix le doit, pas vrai, chers frères et sœurs. Nous choisissons pour nous servir bon Dieu et que personne ne peut empêcher nous servir bon Dieu. Si vous choisissez pour servir bon Dieu ou la caillou ou tendez cela, pas quitter aucun prétexte, faire au parvin dans l'église ou pour servir bon Dieu. Parce que bon Dieu l'aime lorsque nous réunis ensemble, c'est pas vrai? Il est dit là où deux ou trois s'accordent ou s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est pas vrai? Lorsque nous de même esprit, nous venons en présence de bon Dieu, il est là et il a béni nous, chers frères et sœurs. Pas quitter rien fort la caille ou pour nous pas venir l'église. Ou pas dire qu'on n'a pas venir l'église encore parce que toute activité dehors au prend, c'est pas vrai? Ou le travail ou faire toute affaire, la présence de bon Dieu c'est là toute protection, la vie où il est. Peu importe sa crivé, vini l'empire bon Dieu, vini en présence bon Dieu, capable béni. Ou même capitaine de nous sur YouTube, Facebook, nous invitons pour capable présent l'entemple, spécialement cette période, nous la croisade d'évangélisation, meilleur côté pour nous, c'est l'empire bon Dieu. Pour nous chercher bon Dieu en tout premier lieu, dans tout ça, nous avons fait dans la vie. Nous. Et la place, c'est monde qui, pour trouver lieu, c'est monde qui cherche avec tout le cœur. Et bon Dieu présent avec nous, pas vrai? Nous toujours contents pour nous, nous, chita là. Est-ce que nous pas contents pour nous, l'autre? Est-ce qu'on a vu regarder les gens qui sont contents là, sincèrement pour dire bon Dieu, moi, moi, mon tout? Est-ce qu'on a vu regarder les gens qui sont contents là pour dire ça? Bon Dieu, moi, moi, mon tout. C'est pas vrai? Faut nous sincères, c'est pas vrai? Je ne pas dire que moi, pour me barrer, c'est pas vrai? Parce que bon Dieu même l'a pris dans le cœur, c'est pas vrai? Et bon, m'dou, pas quitter rien empêché ou remet. Vous comprenez ça? Son seul langage qui a pris dans le ciel, son langage d'amour, car Dieu est amour. Dès que vous pas remet, you have a problem. Et you're not going to fly. Parce que les Jésus venus, c'est voler pour nous voler, pas vrai? Sou ta sans tout pas capable c'est humain nous yé nous chaque cargon bagage mais mande bon Dieu pour le capable relâcher ou pour faut connait cette vie est tellement fragile pas grand sérieux si gen l'amour capable gen changement capable gen tout bagage pas vrai.
Et gon chant au chanteur doux, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui peut changer le monde. C'est Dieu est amour. Jésus vient pour ça. En nous vivre pour Christ. Et dans le moment ça, nous arrivons à un moment spécial. Nous voulons demander tous les musiciens côté hein, après service standard, rencontrer tout. Nous voulons rentrer dans un moment spécial côté que nous prenons le passé, dans le moment de louange nous à l'Éternel. Et celui que l'Éternel a choisi pour nous pour cette période, c'est son serviteur, pasteur Jean Gardy Jérôme. Il a été avec nous du côté d'Ephraïm pour une semaine. L'église a été bénie. Amen. À la gloire de Dieu. Nous espérons également, passage à l'église Mont des Oliviers, à bien des grandes bénédictions. Non seulement l'église l'a béni, elle a béni toi, toute famille. Amen. Et pas vrai, chers frères et sœurs. On nous lâche nous, on nous donne la joie. Vini pour nous louer l'Éternel. Vini pour nous tendre des paroles l'Éternel. Vini, vini et menez nous avec nous. N'a béni, chers frères et sœurs. Son épouse est dans l'assemblée, ce Madeleine Jérôme. Il était déjà campé, mais n'a pas obligé de le camper encore. C'est cette famille qui est avec nous. Il y a des contradicteurs, elle ne comprend pas le créole. Ce Madeleine Jérôme, nous sommes contents. Nous sommes contents à Ephraïm, nous sommes contents ici, et nous sommes contents jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Pas vrai? Que nous restions, la présence est toujours, nous continuons à faire le service, que le capable de prendre pasteur Jérôme, lui façonner à son image. Comme l'argile dans la main du potier, il fait des lits salvés pour le bénir, peuple, pour le bénir à toute famille, et nous préparer nous ensemble car Jésus revient très bientôt, chers frères et sœurs. Après Prestime, juste avant d'écouter la voix de notre bien-aimé pasteur Jean Gardy Jérôme, nous allons apprécier sœur Dana Mai dans un chant spécial. Et puis, la voix que vous allez écouter après quoi, c'est la voix de notre bien-aimé pasteur Jean Gardi, Jérôme, que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à un moment côté que nous pourrons louer bon Dieu, la mettre nous debout pour que nous capables bailler bon Dieu louange. Sœurs et frères, fait le vide en nous. Nous connaissons chaque qui là, nous bon bagaille, un souci, mais en nous fait le vide en nous pour que nous capables louer bon Dieu. Et nous sûrs et certains, le nous fin louer et chaîne nous a cassé. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. Fils éternel du Dieu des cieux, dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, en pire honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi au roi des rois. Tout en nous te glorifie et chante ta direction. Ta parole éternelle de jour en jour se renouvelle sur le peuple de Sion. Louange, en prie honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire sans foi. À notre sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, tu seras seul dans tous les âges. Le cantique des rachetés, que sauver par tes blessures et guérir par tes meurtrissures, tout au cœur te soit consacré. Sois à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi.
Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, louange, louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Yeah.
Bonjour et bon sabbat. Personne pas connaît moi ou assez témoin Jean Mielol ou premier loin la bourre tire moi ou toujours là pour moi les besoins et pas pour m'appuyer. Yon refuge pour moi caché, yon zami pour moi parler. Oula, oula, les besoins papa pour protéger, yon grand frère pour conseiller. Tout y détail en vie, moula. Vous toujours là, tout partout côté Mendiem, sous montagne ou dans pleine vallée. Les mains bloquées, les lampes moins menacées, référence coincée, connais-moi, j'en personne pas connais-moi, pour accepter moi j'en mieux à l'autre, pour moi mieux loin, dans la boue retire-moi, ou toujours là pour moi. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui apportons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parmi avec des offrandes. Célébrons-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Toutes ces
Madame, Monsieur, chers et frères, bien-aimés, chers amis, amis de la prière, distingués membres de l'auditoire, je vous salue dans le nom de Jésus. Bon sabbat à vous tous. Je veux ce matin saluer tous les frères et sœurs de Mont des Oliviers. Je salue ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, et je profite de l'occasion pour les saluer aussi dans le nom de Jésus. Bon sabbat à vous tous. Et que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Et c'est un grand privilège que j'ai ce matin de pouvoir vous sermonner, prendre la parole à cette occasion tout à fait spéciale et particulière, ici à l'église Mont des Oliviers. Je voulais remercier pasteur là spécialement, qui m'a un privilège hein, pour capable de parler ici avec nous. Est-ce que vous êtes content ici, frères et sœurs, ce matin? Et c'est un privilège, et je pense que nous tous avons mis les mains, c'est pas vrai, pour que la campagne la réussisse, frères et sœurs. Je ne sais pas si je me fais mentir. Parce que la réussite de la campagne ne dépendra pas du prédicateur. Ça ne dépendra pas du pasteur. Mais la réussite de cette campagne dépend de nous. Il s'agit de nous, il s'agit de l'église Mont des Oliviers. Donc, si nous mettons main nous ensemble et nous sûrs que le Seigneur est déjà disposé, il est disponible, n'est-ce pas? Sa puissance est disponible. Donc, si nous mettons main ensemble, je crois durement comme le faire que la campagne réussira. Par la grâce du Seigneur. Merci. Nous allons, Madame, Monsieur, ce matin, réfléchir sur un texte de la Bible. Je m'en vais réfléchir avec vous sur ce texte incorporé, ou du moins enchâssé, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile selon Jean. Je vous demanderai, frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles, même quand nous avons des projections, mais cela n'empêche que nous ouvrions nos Bibles. En ouvrant Bible, nous avons ensemble pour nous garder verset ça. Qui enchâssé dans l'évangile selon Jean, au chapitre 16, n'est-ce pas? Et nous lisons le verset 33. Je vous donne quelques poussières de secondes pour nous capables de chercher ce texte-là, pour nous joindre ensemble, même quand il est affiché en ouvert Bible, nos frères et sœurs. Gon le, ne pas bien projection encore. C'est pas vrai? Il y a mon qui est d'accord avec moi? On a l'ensemble. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, le verset 33. Vous y êtes. Nous jeunes, frères et sœurs, en nous cherchant. Ça le dit, il dit, je vous ai dit ces choses. En nous lit ensemble, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Parole de Jésus. En passant, je vous dis le titre du message de ce matin. Le titre, c'est « Prends courage ». Est-ce qu'on peut dire avec moi le titre du message de ce matin? « Prends courage ». C'est le titre. Courbons la tête et nous prions, le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Ton serviteur va prendre la parole en ton nom. Je suis faible et pécheur, je ne sais point parler. Mais je sais pertinemment que tu utilises encore tes enfants à ta guise, selon ta volonté. Alors lorsque ta parole est devant moi, je ne sais pas ce que je dois dire, mais s'il te plaît, utilise-moi comme tu savais le faire par le passé. Fais de moi un clou qui attache ton image et qu'on ne me voit pas, non. Que je sois effacé, mais qu'on voit Jésus plutôt, et que Jésus lui-même parle au cœur de ses enfants. Bénis ce message, bénis l'auditoire,
Bénis ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook. Bénis-nous tous. Et permet qu'à l'issue de ce message, qu'à l'issue de cette campagne évangélique, tous ensemble, nous puissions dire d'un seul cœur que notre Dieu règne encore. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Chers et frères, nous dans l'évangile de Jean, et tout le monde qui peut-être tente de me prêcher déjà, après que généralement me prêcher dans l'évangile de Jean. Je ne dis pas tout le temps, mais très souvent me prêcher là-dedans parce que et son texte que je remets en pile, je remets le texte de Jean. Et je suis d'accord que en réalité, l'on lit la Bible, n'a pas que il y a 4 évangiles. N'est pas vrai? Il y a 4 évangiles. Bien que certains théologiens ou bien exégètes, ils ont fait comprendre que le texte d'Ésaïe, nous qu'on lit Ésaïe, n'est pas vrai? Ils ont fait comprendre que le livre d'Ésaïe, c'est peut-être un 5e évangile, mais nous savons en réalité qu'il y a 4 évangiles, n'est pas vrai? L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Matthieu lui-même, alors les 3 premiers évangiles, il y aurait les normalement évangiles synoptiques. L'homme dit synoptique des évangiles qui décrit ministère Jésus à presque de la même manière. Et regardez le texte de Matthieu. Matthieu fait une apologie. C'est un évangile apologétique. Cela veut dire, si vous passez le texte de Matthieu au peigne fin, vous allez réaliser que Matthieu l'a fait une plaidoirie, lui montrer aux Juifs, lui montrer à Silaio qui pas connaît Jésus, que Jésus est le roi des Juifs. Vous d'accord ça? Donc c'est là, c'est ce que Matthieu montre à travers son évangile. C'est un évangile apologétique. Il défend Jésus. Il montre à l'univers en soi, ou du moins à toutes les nations qui ne connaissent pas Dieu, que Jésus, il est le roi des Juifs. Et pas seulement le roi des Juifs, mais il est le roi du monde. Et l'on lit, l'on quitte Matthieu, ou dans l'évangile de Marc. Marc, c'est l'évangile le plus court. Et c'est un évangile pragmatique. Ou du moins, si Marc dit pragmatique, je pourrais dire autrement que Marc, c'est un évangile pratique. Marc n'a pas de temps pour le faire un paquet de discours d'ailleurs. Marc écrit pour les Romains. Les Romains étaient des hommes de fer, des hommes qui n'aimaient pas les belles envolées oratoires. Donc Marc, il est très court, il va droit au but. Marc n'a pas de temps pour le faire un paquet. Il n'a pas le temps de tourner autour du pot. Mais ce qu'il veut dire, il le dit. Donc c'est un évangile pratique. Lorsqu'on va aller quitter Marc, ou aller dans Luc, ou après que Luc écrit avec une minutie. Je ne sais pas si nous comprenons le temps pour lire l'évangile de Luc, après que Luc, et contrairement à l'autre, français, c'est la plus fin. Il y a des gens qui ne parlent français, ou elle parle français, mais il y a des gens qui parlent français, ou est français, ou c'est quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui a étudié, et c'est quelqu'un peut-être qui a été assis au pied de Gamaliel, je le dis ainsi. Donc l'évangile de Luc, c'est un évangile historique. Donc sous besoin histoire, elle dans Luc. Mais lorsqu'il y a Luc ou vient dans Jean, ou après que le texte de Jean, c'est un évangile purement et foncièrement théologique. C'est la théologie pure. Et la théologie, frères et sœurs, que Jean dégage à travers son récit, c'est qu'il nous montre que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Et quel que soit le monde qui voulait sauver, ou car ouais, ça dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous l'avons, frères et sœurs. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il est la vie éternelle. Et dans Jean 17, verset 3, il dit même Magala, il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse qui est lié, qui est toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En sorte que, frères et sœurs, je dis aujourd'hui que vous choisissez la bonne part. Parce que seul monde qui a boire la vie éternelle là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc c'est Jésus, en réalité, c'est l'unique espoir que nous avons pour ce monde en crise, le thème de la campagne. Mais allons, frères et sœurs, dans le texte de ce matin, prends courage. Dans Jean 16, verset 33, l'organe des textes là, en réalité, il dit, Jésus dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en qui, frères et sœurs, en moi. Il dit, vous aurez quoi, bien-aimé? Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, le titre. Là, regardez les versets, ça nous voit que son très beau texte. Regardez bien pour vous. Son très beau texte, son texte qui est très actuel. Moi, c'est que Nathan Avivla là, chaque prédicateur, t'as obligé de un texte. Il est très actuel et il a une profondeur extraordinaire. Étendez bien, ça me dit là, m'damène avec. Il y a certaines traductions, certaines versions bibliques. Parce qu'en théologie,
normalement, pour les gens qui veulent bien interpréter le texte, il y a plusieurs versions. Et ça montre nous la richesse de la parole du Seigneur. Regardez par exemple dans la version Tob. Tob là, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Version Tob là dit qui ça? Il dit, attendez bien, mais ça le dit, il dit, en ce monde, vous êtes dans la détresse. Il met le verbe là, non pas au futur, mais il met le au présent. Attendez bien, oui, vous êtes dans la détresse. Gon l'autre traduction, la Bible de Jérusalem, qui calquait sur le grec, calquait sur la pensée hellénistique. Qui ça le dit? Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Ça veut dire. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Ici, frères et sœurs, nous dans le contexte, côté que Jésus va le monter dans le ciel. Il va le mourir sur la croix. Et Jésus a parlé à Discipio, il fait son discours d'adieu. Et puisque il a fait discours d'adieu avec Discipio, il conclut son discours triomphalement. Et il a abordé discours là, il a abordé plusieurs thèmes dans le discours là, plusieurs thèmes. Qui thème lié? Il a parlé de l'envoi du Saint-Esprit. Il a parlé de la haine du monde. Jésus parlait à Discipio avant de monter la croix. Il parlait des persécutions. Et il parlait aussi de la tristesse qui sera changé en joie. Bien aimé, yon moun qui voulait sauver, qui voulait aller dans le ciel, ou pas qu'à peu problème. Nous voilà quoi ça va me dire là. Regardez, mal parlé là. Bien aimé, yon moun qui voulait aller dans le ciel, si vous pas voulez aller dans le ciel, quittez l'église là. Mais de vous voulez aller dans le ciel, chemin n'est pas facile. Ou ap jouen des problèmes, ou ap jouen difficulté, ou ap jouen persécution. Et c'est la raison pour laquelle que l'apôtre Paul avait dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tant qu'ils, frères et sœurs, en Jésus-Christ, d'abord seront persécutés. Est-ce qu'on l'a vu, frères et sœurs, bien-aimés? Donc, regardez le verset de plus près, lorsque Jésus a fait son discours d'adieu avec les disciples, n'importe quel verset, l'un passé le crible, l'un passé verset au peigne fin, n'importe quel plusieurs expressions charnières, plusieurs mots clés dans le verset. Premier mot clé, Jésus parlait, c'est la paix. Regardez pour vous, la paix. Deuxième mot clé que Jésus employait dans le verset, c'est qui ça lié? C'est le mot tribulation. Nous sommes dit, vous aurez à souffrir. L'autre mot souffrir là avec mot tribulation, c'est deux bagailles différents. Yon tribulation, m'bral 12 al vle dit, son bagaille qui terrible. Bien aimé, nous moudna vivre la bagaille là pas facile. Non? Vous aurez à souffrir. Et Jésus parlait des tribulations. Troisième mot clé que Jésus utilisait dans le verset, li tellement qu'on est bagaille là pas douce, li employait le mot courage. Et le dernier mot que Jésus emploie dans le verset, et c'est là la théorie avec verset A, c'est le verbe vaincre. A remarquer, frères et sœurs, si on fait l'exégèse du verset, a remarquer que l'expression stylistique et syntaxique, je vous ai dit ces choses, les résonner dans chapitre 16 là. Nous allons regarder ça même. Dans chapitre 16 là, n'importe que c'est comme un refrain. Nous comptons ça un refrain, les wap chanter un chant, et puis un refrain dans le chant. Nous d'accord ça? Gon refrain la donne. Et bien, gardez verset, gardez chapitre 16 là, avec. On regarde ensemble, frères et sœurs, rapidement. N'importe que je vous ai dit ces choses. Nous, je n'ai plusieurs reprises dans verset. Cela veut dire que Jésus, gon bagaille, livre maintenant tes disciples. Gon bagaille, l'a montré yo. L'a pas tiré attention yo sur yon bagaille. C'est une expression emphatique. On regarde pour nous. D'abord, dans verset 1, il commence qui ça? Chapitre 16, verset 1. Ça le dit. On allez. Il dit. Je vous ai dit ces choses. Pourquoi? Afin qu'elles ne soient pas pour vous, comment? Une occasion de chute. On a le verset 4 là, rapidement. Verset 4, ça le dit. Je vous ai dit ces choses. Afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que, j'étais. Avec vous. On allait dans verset 6, là, frères et sœurs. Verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 25, nous allons aller rapidement, pas de temps. Verset 25, ça le dit, je vous ai dit, verset 25, opérateur, je vous ai dit ces choses en parabole. On allait, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et le dernier verset à travers lequel Jésus utilise l'expression, en allez, c'est le verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez
la paix en moi. Bien-aimés, sœurs et frères, ou même Captain Dem jodi, ou même qui là, l'église là, ou même Captain Dem sur Facebook, sur YouTube, Jésus prend le temps pour former disciples. Non seulement il prend le temps pour former, mais il prend le temps pour informer de ça qui va arriver. Bon Dieu, pas quitter un yé, prend l'église là au dépourvu, mais il forme nous, il donne des formations, bien-aimés, et il prend le conclu. Pour montrer que la volonté qu'il a, ce qu'il veut que nous ayons, frères et sœurs, c'est la paix. Et cette paix, c'est pas ça qu'on gagne un kabaoul. Il y a des gens qui pensent que l'argent gagne un kabaoul la paix. Il y a des gens qui pensent que la relation gagne un kabaoul la paix. Il y a des gens qui pensent que par le fait que l'équité Haïti, il vient aux États-Unis, il a gagné la paix. Bien aimé, la paix n'est pas de ce monde. La vraie paix, c'est pas ça qu'on gagne un kabaoul. La vraie paix, c'est pas l'argent qui baoule, c'est pas relation, c'est pas son procédé. La vraie paix que la Bible a parlé à, c'est seulement Jésus qui baille. C'est Jésus qui baille la paix. Et Jésus dit, afin que vous ayez la paix, non pas en ce que vous avez, mais afin que vous ayez la paix en qui est, frères et sœurs, en moi. Bien aimé, l'expression grecque utilisée par Jésus dans ce verset, frères et sœurs, elle est plus profonde, parce que le mot grec utilisé par Jean pour parler de la paix dans ce verset, c'est afin que vous ayez la paix en étant unis à moi. Amen. Cela veut dire que moi avant on a bien la paix, mais c'est lorsque nous étions unis à qui est-ce, à Jésus. Bien aimé, en ce sens, je suis venu vous dire ce matin que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Vin di aujourd'hui, ou capable d'accord avec moi, que dans lutte où il y a ou pas pour corps la donne. Ou pas seul dans le combat, tu n'es pas seul dans tes luttes, tu n'es pas seul dans tes déboires, tu n'es pas seul dans tes combats. Jésus a vaincu pour toi à la croix et il est avec toi. Amen. Il est avec nous, frères et sœurs. Jésus dit disciples, prends courage, bagaille la pas douce. Bien aimé, Jean Maud le parler à, le monde va de mal en pire. La situation n'est pas agréable du tout. Mais Jésus nous dit à travers ce verset, prends courage. Les philosophes, alors l'homme garde, avant d'entrer les philosophes, l'homme garde verset ça. Si nous gardons avec un frère et soeur, je pense qu'il y a plus d'intellectuels dans la salle là, et sur peut-être internet là, l'homme garde verset ça, je ne comprends pas comprendre du tout. Parce que à mon avis, et cette déclaration faite par Jésus, elle est paradoxale. Nous comptons paradoxer. Moi, son paradoxe, moi, son contraste. C'est une déclaration qui choque. L'homme lit, il choque. Et moi, c'est une déclaration que Jésus fait et qui allait au-delà de l'imagination. Je ne comprends pas la déclaration. Hein. Parce que Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Mais il dit par la suite, vous aurez des tribulations dans le monde. Là encore, je n'ai pas de problème. Mais quand il dit, prenez courage, j'ai vécu le monde, là, je n'ai pas de problème. Et je vais vous montrer qui problème, frères et sœurs. J'ai vaincu le monde. Je vais vous montrer plus devant. Qui pour qui ça me problème? Bien aimé, les philosophes, Jésus dit, avant de dire j'ai vaincu le monde, il dit, prenez courage. Bien aimé, il y a des tempêtes qui frappent dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Nous ne comprenons pas ça. Il y a des gens qui n'ont jamais de problème, qui n'ont jamais aucun événement. Bien aimé, il y a des ouragans qui frappent dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Si vous ne pouvez pas compter au campé, vous avez quitté l'église. Gale pas bon. Bien aimé, il y a des événements qui frappent dans la vie chrétienne, dans la course là. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. Route là pas facile. Et il y a des tempêtes qui frappent. Si vous ne pouvez pas camper sous Jésus, vous avez chiré. Et c'est ça Jésus connaît qui fait que le prend le temps pour le former disciples, pour le dire, ah monsieur, nous venons derrière, nous suivons, vous allez souffrir, vous aurez des tribulations dans le monde, mais bien avant de dire que j'ai vaincu, il dit quoi? Il dit, prenez courage. Sœurs et frères de l'église Mont des Oliviers, prenez courage. Si vous n'avez pas courage dans le monde, vous avez quitté l'église. Si vous n'avez pas courage dans le monde, regardez, même prier, vous pas prier encore. D'ailleurs, parfois, mettez à genoux pour prier, parole là, pas qu'à venir. Ça va jamais vous mettre à genoux pour prier, vous pas qu'à prier. Vous avez cherché parole là, c'est doute qui a monté dans la tête. Vous pas contre ça pour dire. Regardez, vous troublez. Regardez, vous même doutez. Non seulement tu doutes de toi-même, mais tu doutes de tes proches, mais aussi tu doutes même de Dieu.
Parce que si bon Dieu était bon, dans sa mienne, il n'y a pas de donne. Bien aimé, laissez-moi vous rappeler, vous le saviez déjà. Mais laissez-moi vous faire cette piqûre de rappel aujourd'hui pour vous dire que Dieu, il est bon en tout temps. Et c'est ça que, et c'est là, je suis d'accord avec Jésus lorsqu'il dit, prenez courage. Mais prenez courage. Les philosophes Socrate et Platon, attendez bien. Les philosophes Socrate et Platon, yo ouais le mot courage comme ça. Yo parlait du courage. Yo définit le courage. Socrate et Platon, ils définissent le courage comme une attitude. Attendez bien, oui, une attitude face à une situation vécue. Mais comment Socrate et Platon ouais courage là? Son attitude face à une situation vécue. Et c'est une capacité, attendez bien, oui, courage là pour Socrate, c'est une capacité à agir malgré le danger. Une capacité à agir comment? Malgré le danger. Les trois jeunes Hébreux devant Nebuchadnezzar, dit Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Voilà. Et même s'il ne peut pas délivrer nous, nous ne pas mettre à genoux devant statue. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Une capacité à agir malgré les dangers. Je dis à tout le monde à chanter gloire à Dieu. Vous, l'église, nous frères, nous chers. Mais, bien aimé, les bagages, la mare et tout le monde, vous connaissez qui est-ce qui est avec Jésus, vrai? C'est les bagages, la mare, vous connaissez qui est-ce qui a servi bon Dieu vraiment. Vous racontez l'histoire d'un groupe de bandits qui rentrent dans l'église. Alors, c'est pour vous faire rire. Ils rentrent dans l'église plein sabbat matin. Et puis, le pasteur a été souché à la prêcher. Et puis, les gens avec gros âmes, en cagoulé, ils ont dit, regardez, cette affaire de Dieu, c'est bobine. Nous avons 6 minutes pour nous vider ça là. Tout le monde, mettez-nous dehors. Et si nous passons aussi, on va vous tuer. Et après 2 minutes, nous commençons à filer d'aller. Nous commençons à sortir, quitter l'église là. Et après 5 minutes, puis il faut nous sortir, quelques gens qui étaient. Et pasteur a été souché à tête tight la prêcher. Et puis, moun qui te gen zam nan men, yo retire kagoul la. Yo dit, pasteur, tu peux continuer à prêcher. Parce que les hypocrites sont déjà partis. Bien aimé, est-ce que ou a servi bon Dieu tout bon? Est-ce que l'église là tout bon? Est-ce que vous avez capacité à agir malgré les dangers, bien-aimés? Voilà comment Socrate et Platon voient le courage. C'est une capacité, frères et sœurs, à persévérer dans l'effort malgré les circonstances. En bagaille, vous frappez, événement, vous frappez, situation, vous pas bon. J'ai perdu mon travail, ma femme m'a laissé, j'ai perdu mes enfants. Donc je ne vais pas abandonner, mais je vais continuer à servir le Seigneur. Amen. Mais continuer, compter sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, voilà quoi ça. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui, tout est là. Événement de la vie, pas qu'à faut quitter mon Dieu. Événement de la vie, pas qu'à faut abandonner combat, abandonner course là. Si vous abandonnez, vous avez perdu. Mais quelles que soient les tempêtes, quels que soient les obstacles, quels que soient les événements, c'est pour dire au nom de Jésus, m'a sauvé à la gloire de Dieu. Bien-aimés, Socrate et Platon, ils ont le courage comme une capacité, attendez bien, oui, en dernier lieu, comme une capacité à rester calme malgré les difficultés liées à la circonstance. Bien aimé, lorsqu'on a qui hier soit marché, tempête qui a frappé ou mauvais moment qui a venu, regardez, c'est pour être calme. Parce qu'on a qui hier soit marché. Même si l'homme est mauvais, capitaine non, pape qui t'aime couler, parce que celui qui est à la barre, il est fidèle. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et verset a dit, l'Éternel est celui qui te garde. Alors, bon, je dis à même capitaine de là. Des millions de gens ont péri pendant la COVID-19. Ou puis bon passé, qui font là toujours. C'est parce qu'on est bon. C'est parce que Massa n'a figure qui font là. Non!
Mais c'est la bonne protection vraie, en réalité. Mais celui qui te garde, et celui qui te protège, et celui qui veille sur toi, n'est pas le masque que tu portes, mais celui qui te garde, c'est Jésus de Nazareth. Yon capacité à résister, à rester calme. Bien aimé, il y a deux bagailles qui arrivent dans la vie. Regardez, si vous ne savez pas qui est, soit marché, ou fou. Nous ne commençons pas à me dire là. Quel bagage qui frappe dans la vie. Regardez, j'ai connu un frère à Salem. Je ne cite pas son nom. Il a été ancien à Salem. C'est là que j'ai grandi en Haïti, à Salem, à Carrefourfeuille. Et ce frère, j'aimais le voir depuis que j'étais tout petit. Frère, il a une consécration à bon Dieu. Monsieur, il a une onction sous lui. Et les frères, là, quand il prie à l'église, quand il fait la prière pastorale, j'étais auprès de ma mère et je sens bien, je m'attendais, monsieur, qu'à prier. Et ce frère, en 2010, il était marié, il avait trois enfants, trois grands-enfants. C'est le monde qui prêt pour marier. Tous les trois mourir dans un seul caille. Et le frère commençait à vieillir ainsi que sa femme. Qui parole de consolation pour le monde comme ça? On réfléchit, on réfléchit. Qui mot? Bien aimé, il y a deux moments dans la vie, aucun mot humain pas qu'à faire. Nous ne pas comprendre ce que je dis, frères et sœurs. Il y a deux tempêtes dans la vie, pas qu'une parole ou pas l'inventer pour baisser ça. Il y a un moment qui a perdu trois petits d'un seul coup. Tout mourit. Et là, je dis, si mon trois belles, si mon crème, si mon tout mourit. Bien aimé, Jésus vous dit ce matin, prends courage. Chers et frères, laissez-moi vous dire que c'est en nous appuyant seul sur Dieu, seulement sur Dieu, que l'on peut reprendre le courage. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? C'est en nous appuyant sur qui j'ai dit, sur Dieu. Et c'est en nous revêtant de ses armes qu'on pourra se tenir debout dans ce monde. Et bien aimé, frères et sœurs, on allait rapidement parce que je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais jamais rentrer dans le texte, la côté de Rivea. Si on fait une lecture des versets, des chapitres 14 à 16. Pas grand personne pas qu'à comprendre chapitre 16 là verset 33 sans pas remonter dans chapitre 14 là. Depuis dans chapitre 14 là, Jésus fin prend la scène dans chapitre 13 là avec disciples et chapitre 14 là, lui commence à enseigner yo, lui commence à parler avec yo. Chapitre 15 et chapitre 16, il prend le conclu là. Et quel que soit le monde qui besoin comprendre verset ça, faut remonter dans chapitre 14 là. Qui ça qu'a passé? L'homme garde verset ça, prenez courage. J'ai vaincu le monde. L'homme garde verset à moi son paradoxe. L'homme garde verset à moi son contraste. Parce que je ne peux pas comprendre la déclaration ça. Et je vais le dire pour qui ça. Bien aimé, frères et sœurs, son affirmation paradoxale. Parce que l'homme garde verset à bien, regardez la veine. Moi, elle n'a pas de sens. L'homme garde verset avec un œil critique, un œil théologique. Moi, elle n'a pas de sens. Parce que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Je vais le dire pour qui ça. L'homme garde verset, bien frères et sœurs. L'homme garde verset, Jésus dit j'ai vaincu. Verbe vaincre, parce que le mot c'est vaincre. C'est vaincre. Il y a un chant qui dit, je crois c'est 318, qui dit quand on est sûr de vaincre, nous voilà, on a déjà vaincu. Et c'est ce que Jésus fait dans ce verset. Bien aimé, gain de victoire pour remporter, il faut gagner la foi dans le Seigneur. Si tu as la foi, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles. Le Jésus dit vaincu, j'ai vaincu le monde. Mal gardé, il y a mon qui pas d'accord avec moi, mais m'a regardé mal et plus loin, moi même pas d'accord parce que ça fait pas d'accord, m'bra le dire pour qui ça. L'homme garde verbe vaincre là, il signifie dompter. L'homme garde verbe vaincre là, il signifie maîtriser. Maintenant, alors le Jésus finit faire déclaration hein, et puis voilà, regardez pour vous, frères et sœurs, au chapitre 17, Jésus va prier pour les disciples. Regardez pour vous, la prière sacerdotale. Ma foi comprendre le verset. La prière sacerdotale au verset 18, et bien, au chapitre 17, et bien, vrai, au chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Jésus a prié pour les disciples. Mais ce qui m'écœure, ce que je ne comprends pas, comment affirmer avoir vaincu le monde? Et après, un chapitre seulement après, Jésus sera arrêté. Nous ne comprenons pas comment ça m'a dit. Comment vaincre le monde? Tu as vaincu le monde. Et alors que
un chapitre plus tard, Jésus sera arrêté. Nous voilà. Jésus sera flagellé. On l'a fouetté. Jésus sera traîné dans les rues de Jérusalem. Comment vaincre le monde alors que quelques instants plus tard, Jésus sera tué de la manière la plus cruelle? Comment avoir vaincu le monde? Où est la victoire? Je ne vois pas cette victoire. Comment parler de victoire pour quelqu'un qu'on a arrêté? Et c'est là que j'ai pu voir que le texte est très riche, un texte purement théologique. Et je me suis posé plusieurs questions. Je me regardais vers Seigneur, m'a fait exégèse texte, m'a regardé me poser plusieurs questions. Je me dis, mais serait-ce une fuite en avant? Est-ce que c'est une fuite en avant que Jésus fait là? Le dit, j'ai vaincu le monde. Et je me regardais vers Seigneur, il me dit même, est-ce que c'est une faute de frappe? Je me regardais vers Seigneur. Et l'homme garde vers ça, m'allait plus loin encore. Il me dit, mais il y a un autre problème. Est-ce que son problème de traduction biblique? Parce que je ne comprends pas. Où vaincre mon là, alors que plus tard, on va t'arrêter. Plus tard, on va te crucifier. Et tu seras mort de la manière la plus ignominieuse. Où est cette victoire? Et pour bien comprendre le texte, ce que Jésus fait, frères et sœurs. Bien aimé, où connaissez l'Éternel qui est Dieu? Où d'accord ça, frères et sœurs? Comme le monde qui croit que c'est l'Éternel qui est Dieu, je dis, là, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce qu'il a plu à Dieu de commencer, sans se lasser, sa main l'achève. Bien aimé, ce que Jésus fait dans le verset, un bon théologien, un bon exégète, un bon homiléticien, ce que Jésus fait dans le texte, puisque Jésus pral monter dans le ciel, puisque Jésus pral mourir sur la croix, puisque Jésus va prendre congé des disciples, et le réaliser que n'est-ce triste, lui réaliser que n'est-ce découragé, lui réaliser que n'est-ce abattu, ce que Jésus fait dans le verset, il oppose, dans les bien théologiquement, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. On parle là, frères et sœurs. Jésus, c'est comme ce que diraient les autres théologiens, c'est le déjà dans le pas encore. Jésus n'est pas encore monté sur la croix, mais il voit déjà la victoire au nom de Jésus. Et ce qu'il fait dans le verset, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Voilà, il a leur annonce, il annonce sa victoire à l'avance. C'est-à-dire que le Seigneur, bien-aimé, voit déjà sa victoire, n'est-ce pas? Par sa mort sur la croix, par sa résurrection et par sa gloire. C'est la raison pour laquelle Jésus va opposer la faiblesse des disciples à sa victoire. Et l'homme garde verset à bien dans le texte grec là. L'homme garde verset à bien, c'est le parfait actif en grec. Le parfait actif. Jésus dit, j'ai vaincu. Jésus est sûr, déjà, même quand il peut remonter la croix, que victoire là, il gagne déjà par la foi en son Père. Et la victoire de Jésus est aussi ta victoire ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La victoire de Jésus n'est pas seulement pour toi, mais la victoire de Jésus est pour nous tous qui sommes là ce matin à la gloire du Seigneur. Jésus oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Et il a utilisé en grec le parfait actif. Moi, j'ai vaincu. Bien aimé, Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il était Dieu. Non. Jésus n'a pas remporté la victoire en faisant montre de ses pouvoirs divins. Non, Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il croyait qu'il est Dieu. Non, Jésus a remporté la victoire par la foi en Dieu, par la foi en son Père. Et voilà pourquoi Jésus va comme même monter quoi? Il va comme même monter sous quoi? Il dit, disciples, j'ai vaincu le monde. Libre comme même monter quoi? Et l'homme garde verset à bien. Le parfait actif utilisé par Jésus. Bien aimé, c'est un temps actuel. Et il y aurait en théologie, il y a une valeur aspectuelle. Jésus fait un bilan de la situation. Libre en fait un bilan, libre en examine la situation. Hein, et il réalise que, puisque avec Dieu, rien n'est impossible, il sait déjà qu'il aura la victoire. Bien aimé, il y a de combat ou la donne, ou pour qu'on ait victoire, mais c'est pour crier victoire au nom de Jésus. Amen. C'est pour crier victoire à la gloire du Seigneur. C'est pour nous faire même gens à capot à la mort. Levons-nous, les boulets sont de la poussière. Les combats à venir, c'est pour crier en avant. Et c'est pourquoi, je suis d'accord avec ça, parce que Jésus veut quand même monter quoi? Il dit, j'ai vaincu.
Alors que quelques instants plus tard, il sera arrêté. Donc Jésus, ce qu'il fait, il oppose la faiblesse des disciples à sa victoire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, sur la croix, au cœur même de la défaite, Jésus a triomphé. Il a triomphé totalement, car ni la mort, ni le séjour des morts, appelé le Sheol en hébreu, ni l'enfer n'ont pas pu le retenir en leur pouvoir. Et par sa mort, par sa résurrection, Jésus a écrasé la tête du serpent et il a triomphé de toutes les puissances du monde. Pas bon puissance dans le monde qui t'a campé devant la puissance de Dieu. Dieu est tout puissant, frères et sœurs. Il a écrasé la tête du serpent. Et c'est de là que nous rejoignons Genèse 3, verset 15. Où Dieu a dit, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme. Nous voilà, entre ta postérité et sa postérité. Et il pourra dire, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Mais qu'on a qui soit aujourd'hui, même vindi ou tête serpent écrasée déjà au nom de Jésus. C'est que Akabat. Mais tête l'a écrasé déjà. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent. Et c'est pourquoi, bien-aimés, et c'est à partir de là que vous et moi, nous devons puiser force et courage dans nos luttes et combats. Bien-aimés, et c'est la raison pour laquelle, à la croix, Jésus pral dit tetelestai. Le Jésus rivé sous croix, avant de mourir, il dit tetelestai. Tout est rendu parfait. Tout est consommé, la victoire est assurée. Bien-aimé, Jésus veut que nous ayons ce matin la paix en lui. Mais qu'on a qui soyez, qui problème, qui a bon problème, qui tempête qui n'en vit, qui cyclone qui n'en vit, mais Jésus qui a bon la paix. Bien-aimé, les bagages arrêtent encore nous. Il y a des problèmes qui n'en encore, le problème n'en réduit, frères et sœurs. Il y a des tempêtes qui sont encore, ou pas ici, non? Il y a de là où tellement de problèmes. Vous priez, c'est comme vous demandez, est-ce que la prière peut exaucer? Ou même demander, est-ce que bon Dieu tend des prières là? Bien aimé, les bagailles arrêtent encore nous. Le problème qui frappe nous, c'est pour nous songer que Jésus a remporté la victoire. Et la victoire de Jésus est aussi ta victoire. Amen. Jésus n'a pas dit, ego, eimi, neni keka. Mais Jésus dit, ego, neni keka. Cela veut dire que Jésus n'a pas remporté la victoire parce qu'il est Dieu, mais il a remporté la victoire en ayant la foi en Dieu. Bien-aimé, il y a deux victoires pour remporter, il faut gagner la foi dans l'Éternel. Fais bon Dieu confiance. Et nous sommes capables de dire, l'un des problèmes, même Jean à Jésus, si toi tu as vaincu le monde, tu sauras me faire triompher de ces moments que je vis. Mais qu'on a qui soyez, mais Jésus prêt pour le bon victoire. Bien-aimé, m'a konn ki moun ki pa vle wè ou. M'a konn ki moun ki rayi ou. M'a konn ki moun ki pa vle rive. M'a konn ki moun ki pa vle réussi. Même vin di aujourd'hui a depuis ou fait bon Dieu confiance. Depuis ou appuyer ou sou l'Éternel. Depuis ou garder ou la guerre nan men Jésus quand tu as réussi ou après réussi à la gloire du Seigneur, frères et sœurs. Le monde est troublé. Le monde est bouleversé. Le monde est agité. Bien-aimé, le monde, les hommes, pas cabaille la paix. Après la Première Guerre mondiale, on a créé la SDN, la Société des Nations, pour bailler la paix, pas gagner la paix. Le 24 octobre 1945, à San Francisco, on a créé l'ONU pour la paix, pas gagner la paix. Et récemment là, à l'ONU, 150 chefs d'État réunis pour discuter de la paix. Comment bailler la paix à monde ça, à terre ça. Jusqu'à présent, pas gagner la paix. La guerre a fait rage. Mais Jésus, cabot la paix, frères et sœurs. Je suis venu vous rappeler ce matin, frères et sœurs. Je suis venu vous rappeler, vous qui m'écoutez ce midi, que Jésus est là. Venez dire, bien-aimé, que Jésus connaît, ça va endurer. Prends courage. Venez dire aujourd'hui, Jésus connaît, ça va passer. Prends courage. Venez dire aujourd'hui, Jésus connaît plein de monde qui va vouloir ou, plein de monde qui va digérer ou. Jésus connaît plein de monde qui va vouloir avancer. Il voyait me dire, prends courage. Prends courage, car Dieu est à la barre. Dieu a le contrôle des événements. Dieu a le contrôle des situations. Avec Jésus, on va passer quand même. Yo capable de passer. Yo capable d'arriver. Yo capable de réussir. Mais si vous faites bon Dieu confiance, on va priver quand même au nom de Jésus, frères et sœurs. Fais Jésus confiance. Avec Jésus, on va priver quand même. On va passer quand même. Mais seulement
collé sous Jésus. Ou d'accord à ça, frères et sœurs? Seulement attaché ou avec Jésus. Prends courage, car avec Dieu, frères et sœurs, vos impossibilités deviendront des possibilités. Avec Dieu, vos extrémités deviendront des commencements. Avec Dieu, vos faiblesses deviendront des forces. Et vos épreuves, un puissant témoignage à la gloire du Seigneur. Oh bien-aimés, sœurs et frères, m'a kon ki moun nan sal la ki gon mauvais moment nan ville. Mauvais moment yo an pile, frères et sœurs. M'a kon tin d'accord avec, an pile mauvais moment. Des fois pas travail, des fois victime de injustice. Des fois gen moun ki rayi ou sans raison. M'a kon si me fait mentir, bien-aimés, m'a kon si mal parler non. Des fois ou l'église a pas fait moun rien, mais peut-être poste moun pa vle wè ou. Des fois ou nan travail là parce que tout moun nan compromission. Moun a fait zéro tourner neuf ou même ou marcher droite, yo pa vle wè ou. Moun rayi ou sans raison pour yon kay ou gen. Gen moun ki rayi ou parce qu'on parle pi bien passé. Gen moun ki rayi ou même pour un costume ou mettre sou ou, même vin di ou matin an, quelle que soit tribulation an, prend courage. Et les gens utilisent mot tribulation an, ou konn sa vle di, li vle di son sorte d'instrument. Alors mot yo utilisé à mot grec là son instrument. Tendez bien oui, les ou tribulation an. Mot a traduit par, li signifie en français, yon instrument yon passe, le après rabourete. Le après rabourete, yon instrument yon passe, prade pour craser tout ça qui pas bon en terre, tout vieux bagay qui tue qui nan terre, pour rache yon. Bien aimé, yon de bagay qui passe dans vie ou, des événements qui ravage ou. Par contre, si me fait mentir, frères et sœurs, yon de tempête qui vient dans vie ou, de qui pour ça, c'est pour le pote ou aller. Même vin di ou, sou ou là toujours, ou aprivé plus loin avec Jésus. Est-ce que ça, frères et sœurs? C'est pas où pour t'aller toujours. Mais si ou là, c'est parce que bon Dieu a un plan pour vous. Elle voit MZ aujourd'hui, capable de tempête, capable de souffrance, capable de humiliation, capable de déception, capable de mauvais moment. Mais l'Éternel voit dit ou prends courage. Est-ce que vous d'accord pour prendre courage aujourd'hui, frères et sœurs? Prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu qui est-ce? Le monde. Et puisque Jésus remporte victoire sur le monde là, pas qu'on problème ou rien, Jésus pas qu'à bon victoire là-dedans. Quel que soit le problème, si tu crois que Jésus a vaincu le monde, tu dois savoir aussi que tu remporteras la victoire à la gloire du Seigneur. Tandis que nous allons prier ce midi, et je vais descendre de la chair et je vais inviter le pasteur à venir prier pour nous. Par contre, si vous avez un salle là, peut-être qu'il y a un combat dans la ville. Est-ce que vous avez une lutte, qu'il y a un combat? Je descends de la chair. Et le pasteur va s'avancer, il va prier pour nous. Bien aimé, chers et frères, je ne sais pas qui lutte ou qui combat ou qui. Parce que le combat est en pile. Je ne sais pas. Il y a un monde qui a dormi dans la nuit. Il y a un monde qui a couché, jeune fille, et puis il y a couché avant dans la nuit. Il y a un jeune garçon là. Regardez, ou abdomi la kayou, pour qu'on marie, fond, ma couche à vos sous cabane. Ou charger problème, charger tout man. Par contre, qui problème qu'on gagne? Moun qui pas travail, famille qui brise, moun qui persécute, gen moun qui la, regardez, si c'est pas Jésus, papa, y'en en vie ou. Tellement gen bagay de ou. Vine vite ou, fait bon Dieu confiance. Ou même qui sur YouTube, sur Facebook, mais vite ou, mette à genoux, kotoye, parce que après le prier pour nous, nous pral prier ensemble. Nous pral chercher bon Dieu. Nous pourrons prier. Arrêtez un chemin qui relève Jéricho. Jésus t'a rencontré, yon mendiant. On nous met à genoux, frères et sœurs. Arrêtez un chemin qui mène Jéricho. Jésus t'a rencontré, yon mendiant. Yon verra tes souliers. Tous deux yeux t'es fermé, l'étapement des charités. Jésus t'es à nous chanter, où m'est allé. Jésus t'es où m'est allé. Parce que, pasteur après le prier pour nous,
Bien-aimé, dans le monde, sa tribulation, yon pile lui. Ou même insister sur lui, ou ka poko gran écrivé ou. Mais mauvais moment yon là, et yon vindi. Et si pas comme sou qui est, sou campé, li ka du bou, oui. Jeune fille, jeune garçon, mari, madame, vieillard, adulte. Vous aurez des tribulations, a dit Jésus. Mais prenez courage. Prenez courage, chers et frères. Ou même famille ou divisée. Ou même yon dit pape jamais marié. Ou même yon dit pape jamais rien dans la vie. Ou même yon dit pape jamais réussi. Ou même yon dit pape jamais enfanté. Ou même yon dit pape jamais parti. Ou même yon dit pape jamais travail. Qui pape jamais garder. Ou pape jamais jeune garçon font bagaille pour vous. Le tout le monde fin maudit ou. Jésus qui a béni ou. Le tout le monde fin dit ou échoué. Jésus qui a levé ou en dignité. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Fermez les yeux contre eux. Agis foi ou. Pasteur, parle prier pour nous. Agis foi ou dans le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père. Nous bénissons nos bonnes gloires, honneurs, adorations que nous-mêmes seuls méritons. Et nous remercions infiniment de nous avoir visités en ce midi. Un message de consolation, un message d'espoir, un message de courage, parce que tu as déjà vécu le monde. Nous n'avons rien à craindre. Que nous sommes capables de persévérer, que nous sommes capables de garder la foi. Car la victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, nous remporterons la victoire. Mes petits tuyaux déplacés au vide pied au Seigneur, peut-être gagner qu'à travers son tribulation, que l'ennemi en voulait finir avec eux. Des fois, c'est un monde qui voulait finir avec eux. Mais nous demandons mettez force ou la faiblesse pour être capable de prendre courage, pour persévérer, parce qu'avec vous-même, il a remporté la victoire. Peut-être son maladie qui a tout pisé, son petit tout. Nous demandons au courage afin qu'il soit capable de remporter la victoire. Dans la persévérance, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Nous n'avons rien à craindre puisque Jésus a déjà vécu le monde et avec Jésus, nous avons vécu le monde et nous avons triomphé avec Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, l'Église dans totalement la main. Ça capte de nous sur YouTube, Facebook, Instagram, ligne téléphone et ça qui présent permet que pas un rien qui fait nous prendre la fuite pour nous écarter nous de présence sous. Mais peu importe ça qui privé, c'est la présence ou victoire nous y est que nous capables demeurer avec pour le temps, pour l'éternité. Mettez force ou la faiblesse nous. Nous demandons on va bénir peuple, on va briser chaînes pour nous, on va casser cordes pour nous. C'est vous seul qui capable faire cela que tout le monde qui te dit nous pas rien. C'est garder pour garder où on a triomphé parce que nous sommes avec Jésus qui a déjà emporté la victoire. Sauve tes enfants et sauve ton peuple. Dans cette période d'évangélisation, il y a un monde qui est en tribulation, qui est capable de venir en présence et qui est capable de trouver une solution à un problème. Que le Saint-Esprit est capable à l'œuvre pour aller chercher petit tout le monde, la source de délivrance. Et au cours de ces semaines qui ont passé en présence, tout le monde va convaincu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Car Jésus a déjà emporté la victoire, il est glorifié au siècle des siècles. Parlant des tribulations, il a déjà vécu la tribulation et les difficultés de ce monde. Avec Jésus, notre victoire est déjà assurée. Mais nous courage, Seigneur, prends pasteur là qui parle le nom avec force et puissance. On va pénétrer le foyer, la famille également. Avec, on va mettre bon courage là, ou même persévérer jusqu'à la fin. Et par-dessus tout, dans la proclamation de l'Évangile, il y a des tribulations qui nous attendent, mais avec Jésus, nous avons déjà la victoire. Bénis-les sa famille, bénis peuple, sauve-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Après, bonjour à vous.
Amen, chers frères et sœurs. Est-ce que nous sentons-nous bénis? Est-ce que nous sentons-nous visités? Si nous visitons, vrai, c'est demain soir. Si nous bénis, vrai, c'est demain soir, ma ça. Parce que bénédiction a à peine commencé. Nous va comprendre? Il a à peine commencé. C'est demain soir, ma ça, ma pour nous tous venir chercher bénédiction encore. Avec Jésus, nous avons béni, nous avons remporté la victoire. Nous remercions nous tous pour patience. Nous remercions tout le monde qui t'attend de nous sur YouTube, Facebook, la caillou. Si vous t'attend de la caillou, nous voulons nous bénédiction à couler ici en l'amour des Oliviers. C'est pour venir et pour mener les gens avec qui ont des difficultés. Les gens qui ont des tribulations, mener avant pour être capable de vendre des délivrances. C'est pas vrai? Est-ce que nous prenons un engagement pour nous conduire les gens dans la période ça pour vendre des délivrances? Si vous n'avez pas délivré, ou responsable. C'est pas vrai? Nous remercions nos musiciens, nous remercions sincèrement pasteur Jean Gardi Jérôme qui s'est laissé utiliser par le Saint-Esprit qui a commencé ce matin et demain soir nous continuons avec le service. Nous travaillons chaque soir excepté jeudi soir, mais nous bénis, nous délivrés au nom du Seigneur. Que le Seigneur capable de continuer à bénir nous et pour nous mettre fin dans le service nous, nous demandons nous mettre nous debout, nous prêts à chanter avec nos chants au numéro 357. De l'amour, en belle, en belle, non.
éternelle lumière, regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur, regardons à Jésus, couronnons le vainqueur. Nous courbons la tête et nous recevons la bénédiction. Notre Père et notre Dieu, immortel roi des cieux, toi qui as enchâssé le ciel dans l'humanité et qui as incorporé l'humanité dans le sein de l'amour infini, nous étions bénis en ta présence aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé depuis ce matin jusqu'à ce présent moment. Nous avons ressenti ta présence dans la salle. Et ta puissance a plané sur l'assistance. Nous avons ressenti ce murmure doux et léger que le prophète Élie avait ressenti là où il était caché, dans la grotte. Et cette puissance est la puissance de l'Éternel des armées. Nous allons regagner nos demeures respectives. Que l'Éternel qui a été avec nous à notre arrivée ici aujourd'hui nous raccompagne jusque chez nous en bien, à l'ombre de ses ailes. Que nos maladies soient guéries, que nos difficultés, selon sa volonté, disparaissent, que nos ennemis fuient devant sa face, et que par-dessus tout, il grave nos noms en lettres d'or dans le livre de vie. Par-dessus tout, Seigneur, que tu graves nos noms dans ton livre et qu'à la parousie de ton Fils Jésus-Christ, tous les frères et sœurs de l'Église Mont des Oliviers, tous ceux-là qui sont là en présentiel, ceux-là qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, que leur nom aussi soit gravé et que tous ensemble nous fassions un faisceau et que nous montions vers ton trône de gloire, vers le ciel. Là, nous allons passer 1000 ans de vacances et revenir sur la nouvelle terre où nous serons avec toi, avec l'agneau, avec le Saint-Esprit et avec Dieu le Père pour le temps et pour l'éternité. Entends cette prière. Délivre-nous, Seigneur. Guéris-nous de nos maladies. Sauve-nous par ta grâce. Renvoie-nous de ces lieux avec l'onction de ta paix, de ta grâce et de tes plus riches bénédictions. Au nom de Jésus, lui vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel te protège, que l'Éternel te regarde avec bonheur et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la merci à l'Éternel, restez en paix alors que les diacres vont organiser la sortie. Et nous dit que pour nous, tous les membres de l'église qui là, pendant que nous allons réunir à 3 heures, nous avons une communication importante pour l'église là.
que tout le monde qui l'a venu sur la caille ou venu à 3 heures. Et nous demandons aux membres du comité de nous rejoindre après quoi dans la sacristie pour une communication importante. Et les musiciens, nous allons vous rejoindre bientôt pour une minute. Merci bien. .42 qu'il fait bon à ton service pour la sortir. Il fait bon à ton service, Jésus-moi sauveur. Il me trouve en sacrifice, fais offrir mon cœur à vos désépans. Prends vos désépans, prends ma vieille, elle est toute à toi. Oh, Jésus, prends, prends, oh, Jésus, prends.